ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى نختم في هذا اليوم إن شاء الله دراسة هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه. هذا الدرس تابع لما قبله من حيث جمع المؤلف عدة أصول التي قد درست في أبواب متقدمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد من هذا الكتاب حق الاستفادة وأن ننتفع به حق الانتفاع، إنه الولي بذلك والقادر عليه. طيب، فقد توقفنا في قول المؤلف حيث ذكر ما قال العقيلي في الضعفاء عن منصور بن عمار القاص، يقول لا يقيم الحديث وكان فيه تجهم، وهذا في الصفحة 42. طيب. Donc nous poursuivons ce cours, Inch'Allah, qui est le dernier de ce livre. Et ce cours-là est dans la continuité de ce que nous avions vu hier, où l'auteur du livre réitère plusieurs principes qui ont déjà été étudiés dans des chapitres précédents. Et nous nous étions arrêtés à la parole de l'Uqayli, dans son livre Al-Du'afa, lorsqu'il dit de Mansour ibn Ammar, c'est la page 442 en haut du livre. Lorsqu'il dit de Mansour ibn Ammar al-Qas, il dit « La yuqimu al-hadith wa kana fihi tajahum » C'est-à-dire qu'il n'est pas fiable dans le hadith, dans la transmission du hadith. On ne peut pas s'appuyer sur ses narrations. Et en plus de ça, il avait des déviances, il avait du tajahum, c'est-à-dire qu'il avait des déviances relatives à la croyance de Jabir ibn Safwan, notamment dans les noms et les attributs d'Allah, mais en plus de ça, dans le destin et dans la foi. Pourquoi avoir cité ceci? Car Mansour ibn Ammar, c'était quelqu'un qui faisait pleurer les foules. Non, c'était un grand exhortateur. Quelqu'un qui rapportait des récits, tarhib ou tarhib, dans les exhortations, dans le fait de faire peur aux gens, en leur décrivant le châtiment d'Allah pour tous ceux qui contreviendraient aux ordres d'Allah, etc. Il arrivait à faire pleurer des milliers de gens. Non? Donc les gens étaient subjugués par ses propos, par ses prêches. Voilà qu'il... Les savants de la sunna n'étaient pas dupes. Malgré qu'il avait cette qualité, il avait des défauts avant ceci. Et ces défauts, c'était son égarement par rapport à sa croyance, par rapport à la voie qu'il a suivie, sa méthodologie ou son minhaj. Lam yakun ala tariqati ahli sunnati wal jama'a. C'est pour ceci que Al-Uqayli disait Mansour ibn Ammar al-Qas. Regardez qu'il n'a pas cité ses qualités. Il a été directement droit au but afin de prévenir les gens contre son égarement. Non, il a dit « La yuqimu al-hadith ». Dans le hadith, il n'est pas fiable, on ne prend pas de lui. Et en plus de ça, il a du tajahum, c'est-à-dire qu'il a des déviances qui sont comparables aux déviances qu'avait Jabir ibn Safwan. « إذن يقول المؤلف فلا يحكم على الشيء بنتائجه ويقال إن أصوله تكون صحيحة حتما لأن هذه النتائج مثمرة ومبهرة. » Donc on avait vu ça hier mes frères. C'est le fait de dire on ne doit pas juger des choses par leurs conséquences ou parce qu'elles laissent apparaître au final. Ce n'est pas parce que une chose apparaît bien
que forcément elle est basée sur des fondements qui sont valides et solides. Une personne peut faire des actes relatifs à la vertu, à la piété, mais cette personne-là elle est sur une voie qui est contraire à celle du prophète, à sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, à travers ses actes, nous allons dire qu'il est sur la voie droite? Non. Est-ce que ce sera un critère de jugement? Non. Combien de personnes étaient des grands adorateurs d'Allah, mais ils étaient sur des voies contradictoires, sur des voies dissidentes de celles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions rapporté le cas de cet homme-là qui avait fait, et atarada ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était opposé au prophète en lui disant, ya Muhammad, i'adil fil qisma. Ya Muhammad, sois juste dans le partage. Et le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, si moi je ne suis pas juste, qui peut se prétendre être juste après moi? Et le prophète a dit quelque chose de très intéressant. Afin que la communauté après lui soit avertie de ce genre de personnes. Il disait, la prière de l'un d'entre vous sera insignifiante devant la leur, ou devant les gens qui seront de sa descendance. Et votre récitation, il parlait aux compagnons du prophète, il s'adressait aux compagnons, votre récitation du Coran sera insignifiante, ou paraîtra insignifiante à vos yeux, devant leur récitation, etc., etc. C'était des grands adorateurs d'Allah. L'âme, walakin, ils font partie des gens de l'enfer. L'âme, les frères, ne pas être trompé par la conséquence des choses, ou ce que les gens laissent apparaître des choses. Mais ce qu'il faut considérer, c'est sur quelle base ils sont. Naam. Quel est leur fondement sur lequel ils s'appuient? Naam. Quelle est leur méthodologie? Sont-ils sur la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Sont-ils sur la voie des salafs salih? Sont-ils salafis? Ou alors ils sont sur des voies qui sont à l'opposé de ceci? Naam. Ou en marge de ceci? D'ailleurs. يقول المؤلف قد يفرط أهل الحق في الأصول التي ينتمون إليها والتي يجب عليهم أن يتمسكوا بها كما يصنع المسلمون الآن فهم بلا خلاف فوق جميع أهل الملل والنحل لأنهم على الدين الحق يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنهم يتخلون عن كثير من دين الله تبارك وتعالى تطبيقا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم ويقع لذلك كثير من الشرور. Il se peut que certaines personnes sur la vérité fassent preuve de négligence quant à leurs fondements sur lesquels ils s'affilient, c'est-à-dire sur les fondements sur lesquels s'appuient les gens de l'innovation, sur lesquels il aurait obligatoire de s'accrocher. Comme le font les musulmans à notre époque, ils sont sans aucun doute au-dessus des autres personnes, de par leur affiliation à l'islam, de par le fait qu'ils témoignent de la parole d'unicité, qu'ils témoignent que Mohammed est le prophète et l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils sont au-dessus d'eux. Mais en contrepartie, ils négligent beaucoup de principes de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, par rapport à eux-mêmes et par rapport à la société dans laquelle ils vivent, occasionnant par ceci beaucoup de mal. Écoutez bien, فإذا قيل إننا نحكم على المجتمعات المسلمة بما هي عليه من التخلف والضعف فنحكم بذلك على الدين الذي ينتمي إليه تلك المجتمعات إذن لو كان دينا صالحا لكانوا صالحين هذا خطأ بل خطيئة. Et si on dit, certes, nous jugeons sur les sociétés musulmanes par rapport au degré de décadence, de faiblesse dans lequel ils se trouvent. Nous jugeons donc par rapport à la religion à laquelle s'affilient ces sociétés, donc par voie de conséquence, si cette religion était vertueuse, ils seraient des gens vertueux. Voilà comment ils pensent, ces gens-là. Non, ils disent, si la religion d'Islam était une religion de bien ou provenant d'Allah ou venant d'Allah, alors les musulmans seraient des gens bien. Mais puisque ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la religion d'Islam n'est pas une religion correcte, n'est pas une religion qui appelle aux bonnes mœurs, à la bonne moralité, à la bonne croyance, etc., etc. Voilà comment ils pensent. Ceci est une erreur, et même une erreur très grave. Non, on ne doit pas raisonner comme ça, les frères. On ne doit pas raisonner de cette façon. Mais nous l'avions vu hier en détail. Comment doit raisonner les musulmans? Il doit considérer chaque personne, pas par la conséquence de ses actes, mais par la cause de ses actes. Pourquoi il a fait ceci? Non, qu'est-ce qui le pousse à agir de la sorte?
sur quel fondement il se base, quelle est la voie qu'il suit, etc., etc. C'est ça notre critère du jugement et le critère primordial du jugement. فَحَذَارِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ يَنْتَمِي انْتِمَاءً بِدْعِيًّا وَتَرَاهُ صَالِحًا وَتَجِدُهُ بَاذِلًا لِلْمَعْرُوفِ وَتَجِدُهُ دَائِمَ السَّعِي فِي الْخَيْرِ فَيَلْتَبِسُ عَلَيْكَ أَمْرُ فَتَغُضُّ الطَّرْفَ عَنْ بِدْعَتِهِ آخِذًا بِمِنْهَجِ الْمُوَازَنَاتِ فَهَذَا ضَلَالٌ مُبِينٌ. Prends garde de considérer la vertu d'un homme qui s'affilie ou qui s'apparente à une voie innovatrice, c'est-à-dire ne considère pas sa vertu et ne la prend pas pour compte, en fermant les yeux sur la voie qu'il est en train de suivre, sur la secte dans laquelle il est. Hein, beaucoup de gens font ça malheureusement, ils ferment les yeux sur ceci et ils disent « Mashallah, c'est un homme qui craint Allah, c'est forcément quelqu'un de bien qu'on doit suivre ». Non mes frères. Donc il dit, tu le trouves prodiguant le convenable, ordonnant le convenable, toujours enclin à faire le bien, et son état te trouble, te rend perplexe. Tu te dis, comment quelqu'un comme ça peut-il être égaré? Peut-il être sur une voie qui est déviante? Comment se peut-il? C'est impossible. Il se lève la nuit pour prier, il jeûne tous les jours, il ne se marie pas, comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. Et tu fermes les yeux sur son innovation religieuse et tu prends la voie de la pondération. Tariq al-Muwazana. Vous vous rappelez des frères, on en avait déjà parlé? Tariq al-Muwazana. C'est le fait de dire sur chaque personne innovateur qui appelle ou qui n'appelle pas à son innovation religieuse, tu n'as pas le droit de dénoncer son égarement, sauf si tu cites ses qualités en même temps. Et ceci est une grave erreur. Lors de la mise en garde d'une personne ou contre une personne, la mise en garde des gens contre une personne, on ne cite pas les bonnes qualités ou les bonnes actions de cette personne-là. Pourquoi? Car ça viendrait justement troubler les personnes qui viendraient entendre ces éloges en disant, oui, il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde. Donc on ne cite que les défauts, que les errances qu'il a, afin que les gens soient avertis, afin que les gens ne tombent pas dans le piège, afin que les gens ne le suivent pas dans son égarement. Contrairement à une biographie d'un homme qui est mort, fût-il un grand innovateur qui a fait beaucoup de mal. Là, on évoque ses qualités et ses défauts. On évoque d'abord ses qualités et ensuite on finit par ses défauts. Ça, c'est dans les biographies. Fait kutub et tarjama. Mais par contre, lorsqu'on fait la mise en garde sur quelqu'un, surtout s'il est vivant, on ne cite pas ses qualités. Ses qualités, elles sont pour lui, entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. On va citer quoi? On va citer seulement les points sur lesquels il diverge de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin que les gens sachent à quoi s'en tenir. Donc ne pas prendre Tariq al-Muwazana, qui est une voie que beaucoup de prédicateurs à notre époque empruntent. Notamment, par exemple, Mohammed Hassan, en Égypte, pour ne parler que de lui, car c'est lui qui a la plus grande shohra, et d'autres qui le suivent dans cette voie-là. Non, mes frères, ceci ne fait pas partie de la voie des salafs. وقد اغتغر بعض المنتسبين لطلب العلم والدعوة بجماعة التبليغ لأسباب كهذه منها. Ici, المؤلف, l'auteur du livre, va donner, et ça jusqu'à la fin du livre pratiquement, va mettre l'accent sur deux grands groupes qui sont présents actuellement à notre époque, parmi les groupes égarés, qui sont Jama'at al-Tabligh ou Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Ces deux groupes-là, ce ne sont pas les seuls. C'est-à-dire, on ne fait pas un focus sur ces deux groupes-là en disant que ce sont les deux seuls groupes égarés. Mais ils constituent, en faisant l'étude de leur égarement, ils constituent en fait un modèle sur lequel se calquent tous les autres groupes déviants. Naam. Car les groupes déviants, ils se réunissent dans quoi? Dans l'innovation religieuse et dans la contradiction envers la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des choses en commun. Ils ont des choses en commun, les différents groupes sectaires et innovateurs. Donc le Mu'allif nous dit, certaines personnes s'affiliant à la science et à la prédication ont été trompées par le groupe d'établir, et ceci pour plusieurs causes. أولا اجتهادهم في الدعوة وبذل المجهود فيها. كيف ذلك؟ يقول المؤلف ولكن هذا النشاط والخروج له غاية وهدف غير مرضي وهو ضم هؤلاء الأتباع
إلى هذه الجماعة وعقد الصلة بينه وبين القيادات الصوفية العليا للجماعة. La première chose par laquelle les gens ont été trompés sur Jamaat al-Tabligh, non, c'est leurs efforts consentis dans la darwa. Effectivement, ils attachent beaucoup d'importance dans la darwa. Voilà que le mu'allif Cheikh Raslan dit istidrakan, voilà que, c'est-à-dire, il vient corriger cette erreur en disant, mais cet activisme, non, qu'ils ont et le fait qu'ils sortent pour ce but-là, n'est pas un objectif louable et agréé. Leur da'wa, leur prédication, elle n'est pas louable et elle n'est pas agréée. Pour quelle raison? Car leur objectif n'est pas d'appeler les gens à vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Leur objectif, c'est d'englober tous les gens qui viendront les suivre dans ce groupe et de créer le lien entre eux et entre les hautes classes dirigeantes soufis de ce groupe. Jamaat al-Tabligh et Akhwati al-Karam, ils n'appellent pas à Allah et à, son, à la voix d'Allah et à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant 23 ans, s'est efforcé à appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah, notamment dans l'adoration. Avez-vous vu ou entendu Jamaat al-Tabligh appeler une seule fois à l'adoration d'Allah l'unique? Non. Ceci nous suffit comme preuve qu'ils n'appellent pas à l'unicité d'Allah et qu'ils n'appellent pas à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils appellent à quoi? Ils appellent à leur groupe. Ils appellent à la voie sur laquelle ils sont. Ils appellent à ceux sur quoi ils sont convaincus, eux. Non, pour preuve. Et ça, je vous donne un exemple concret que j'ai vécu, moi. À l'époque, je vivais dans une ville où il y avait beaucoup de tablières, c'était à Bagneux. J'ai dit, je vais sortir avec vous. Ça date de plus de 10 ans, cette histoire. Je vais sortir avec vous, mais à une seule condition. Et je m'étais rappelé d'une parole de Cheikh Al-Asaymin, qui disait, celui qui sort avec eux, il sort avec eux, mais il leur apprend le tawhid. Non, il vient pour leur enseigner. Je me suis dit, je vais faire ça, Inch'Allah. J'ai dit, je sors avec vous, mais, Inch'Allah, on ouvre un livre de tawhid, et on l'enseigne, et on l'apprend ensemble, Inch'Allah. Non seulement ils m'ont interdit, mais en plus de ça, ils m'ont jamais proposé une deuxième fois de sortir avec eux. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que, Cette simple chose-là, elle vient contredire les bases de leur voix déviante. Là, mes frères, donc ils ne te laisseront pas faire. Ils ont des directives qui viennent de tout en haut. C'est comme un système pyramidal, hiérarchie pyramidale. Donc, l'ordre, il vient d'en haut. Et l'ordre, c'est quoi? C'est de ne pas parler de choses qui divisent les gens. Et pour eux, le tawhid dans l'ibad, l'unicité dans l'adoration d'Allah, ça divise les gens. Vous savez pourquoi ça divise les gens? Parce que eux, ils adorent les tombes. Les têtes, ils adorent les tombes. Donc, ils n'accepteront pas qu'un des membres parmi les petits parle d'une chose qui vient contredire ce à quoi ils s'adonnent jour et nuit, l'adoration des tombes. Donc, les directives, elles viennent d'en haut et tout est cadré, tout est formaté. Donc, voilà ce que dit Shir. Il dit, l'objectif de leur da'wa, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas d'appeler les gens vers Allah, mais c'est d'appeler les gens à Jamaat al-Tabligh ou de sortir avec eux. Et les preuves sont nombreuses. Voilà, on pourrait passer toute une après-midi à les citer. Si du jour au lendemain tu ne fais pas darwa ou tu ne fais pas jaoula, ils t'excluent du groupe. Donc ils ont institué. Deuxième chose, la deuxième chose par laquelle les gens sont trompés. Ma indahum min al-raqa'iqi wal-mawa'idh wa laysa li hadha min fa'ida. لأن الغرض هو التمكين لجماعة صوفية قبرية خرافية وهم لا يقبلون مشاركة في توجيه أتباعهم ولو كانت ممن رسخ في العلم قدماه. Deuxième chose, ce qu'il y a en eux de douceur et d'exhortation. Non, les frères, Jamaat al-Tabligh, lorsqu'ils vont voir des gens qu'ils pensent être des proies faciles, ils viendront à eux avec l'inclinaison de la tête. Comme l'a dit l'imam Ahmed. L'inclinaison de la tête. Des paroles douces. Salam alaykoum akhi. Des paroles ikram, muslimin. Toutes des choses qui, pour quelqu'un qui n'est pas averti de ça, il va forcément être touché. Combien de personnes parmi les jeunes qui sont rentrés dans la religion d'islam? Ils ont connu Jamaat al-Tabligh, ils ont été touchés par leur faux semblant de bon comportement.
Non, je dis bien faux semblants. Car lorsque on leur dit leurs quatre vérités, là, il y a un retournement de situation et les visages, ils changent. Et ça, c'est du vécu, mes frères. Donc, Cheikh Hassan dit, ceci n'a aucun intérêt. Toute leur manière comme ça qu'ils font, ceci n'a aucun intérêt, car le but de cet activisme qu'ils ont est le raffermissement et la consolidation de ce groupe soufi, adorateur de tombes et khurafiya. Khurafiya, ça veut dire qu'ils s'appuient pour asseoir leur groupe, ils s'appuient sur des histoires inventées et fictives. Al-khurafat, des histoires fictives, des superstitions, des histoires étranges, bizarres. Et ça, j'avais remarqué ça à l'époque. C'est que dans le livre Hayat al-Sahaba, qui est un de leurs livres références, il y a beaucoup de hadiths qui sont faibles et même mensongers. Je n'ai jamais vu un seul de Jamaat al-Tablir prendre des précautions par rapport à ce livre. Mais ils l'ouvrent, ils le lisent. Et ils disent, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans regarder si le hadith est faible ou s'il est mensonger. Alors qu'il est prouvé que le hadith, que la plupart de ces hadiths-là et de ces histoires sont mensongères ou faibles. Non. Ils prennent les Riyad Salihin dans les chapitres qui les intéressent. Ils ne prendront jamais Riyad Salihin dans Abwab al-Fiqh. Vous savez pourquoi? Dans les chapitres de jurisprudence. Car pour eux, discuter sur la jurisprudence divise la communauté ou divise les gens et fait fuir. Donc ils s'abstiennent de parler de ceci. Voilà le secret qui réside dans Jamaat al-Tablir. Ils s'interdisent de parler de Aqidah. Ils s'interdisent de parler de fiqh. Ils parlent que de quoi? Fadha'il al-A'mal. Nam at-targhib wa at-tarhib. Ils parlent que de ça. Vous n'avez pas remarqué pourquoi? Car ils disent que le fait de parler sur la jurisprudence avec les quatre écoles, etc., ça fait fuir les gens, ça divise les gens, il ne faut pas en parler. Na'aqida, il y a des divergences, il ne faut pas en parler. Ça arrange tout le monde de parler, alhamdoulilah. C'est-à-dire, même un chrétien qui vient s'asseoir avec eux, il ne saura jamais qu'il est dans le faux avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont jamais réfuter sur ses erreurs. Un chrétien, il croit que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Tu ne vas pas lui enlever ça de sa croyance. Quelle est la différence entre lui et un Jamaat al-Tablir et un Tabliri? Donc, Cheikh Nasrallah dit, ceci n'a aucun intérêt, toute leur manière. Car le but de cet activisme est le raffermissement et la consolidation de ce groupe soufi, adorateur du tombe et inventeur d'histoires fictives. Ils n'acceptent aucun partenariat quant à l'orientation qu'ils prodiguent à leurs suiveurs, quand bien même fût-il une personne ancrée dans la science. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils n'acceptent aucune moucharaka, aucun partenariat. Quelqu'un qui viendra de l'extérieur en disant, moi je viens vous aider pour organiser les choses. Tout est déjà ficelé. On n'a pas besoin de toi. On a le Jaoula, on a les 3 jours, on a qui veut sortir, lève la main, on a tout ça. Non, les frères. Et voilà, c'est un formatage. C'est une religion qu'on leur a donnée en Pâques, comme ça. Troisième chose, parmi les choses dans lesquelles les gens ont été trompés par Jamaat al-Tablir. يتوبونهم من المعصية إلى البدعة وطوائف أهل البدع يتوبوا على أيديهم فئام من الناس ولا يزكيهم هذا ولا يجعل باطلهم حقا ولا منكرهم معروفا ولا شركهم توحيدا. Je vais vous traduire ceci. Troisième chose, beaucoup de gens furent guidés par leur bien. Beaucoup de gens furent guidés par leur bien, par leur dawa. Comment on répond à ceci? Ceci aussi n'est pas une chose dont on se réjouit. Pourquoi? Car Jamaat al-Tablir incite les gens à se repentir de la désobéissance vers quoi? Vers l'innovation religieuse. Ils étaient dans les cafés. Ils priaient pas. Ils fumaient la cigarette. Ils faisaient autre chose de haram. Walakin, ils étaient sur la fitra. Non? Ils savaient que, inshallah, ils sont perdus, ils reconnaissent leur tort, et inshallah un jour, Allah va leur ouvrir la porte du repentir. Voilà qu'eux, ils les ont sortis de cette situation, et ils les ont emmenés vers quoi? Vers l'islam ou vers Jamaat al-Tablir? Vers Jamaat al-Tablir, vers l'innovation religieuse, vers un formatage, vers le fait de fermer les yeux sur l'adoration des tombes, vers l'allégeance à 4 voies soufies qu'on verra, inshallah, directement ou indirectement. Et nous avions rapporté la parole de Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah hier.
Non, lorsqu'ils faisaient un débat avec ces innovateurs, ils avaient dit l'innovation religieuse est comparable au zina, à la fornication. C'est un péché comme un autre. Le cheikh Islam les a réfutés. Non, en leur disant ceci n'est pas comparable. Le péché est moins grave que l'innovation religieuse. Et nous avions rapporté la parole de l'imam Sofiane Thaouri qui avait dit de l'innovation religieuse, on ne se repent pas, alors que du péché, on se repent. Non, les frères? Une personne qui fait une innovation religieuse, elle est persuadée qu'elle fait le bien. Comment va-t-elle se repentir à Allah? Comment il va lui traverser à l'esprit que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien? Ou c'est mal? Il pense carrément le contraire. Lui, il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. Et toi, tu viens lui dire, fais tawba. Il va te regarder bizarrement. Il va te dire, t'es un fou. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est je me rapproche d'Allah. Pourquoi je fais tawba? Alors que quelqu'un qui fait un péché, tu lui dis, mon frère, tawba d'Allah. Crains Allah, repens-toi Allah, il va te dire, non, je sais. Rabbi Hadini, qu'Allah me guide. Non. Il va reconnaître son tort. Inch'Allah, qu'un jour Allah lui ouvre les portes du repentir, il se repent. Amal innovateur, il ne va pas se repentir. Il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien. Donc l'imam Sofiane Thaouri a dit, du péché, on se repent. Mais de l'innovation, on ne se repent pas. Qu'est-ce qu'on fait Jamaat Tablir? Ils ont sorti les gens des péchés vers l'innovation religieuse. C'est pour ceci que Cheikh Al-Aslan dit, cette parole des gens qui disent beaucoup de gens furent guidés par leur biais. Cheikh Hassan dit, ça c'est pas une chose dont on doit se réjouir. Car il les incite à se repentir de la désobéissance pour cheminer vers l'innovation religieuse. Et par le biais de groupes de gens de l'innovation, beaucoup de gens se sont repentis. Non. Combien de gens se sont repentis par le biais d'innovateurs? Mais ceci ne vient pas les réhabiliter, ces gens-là, ces innovateurs. Ni rendre vrai leur faux, ou le faux qu'il y a en eux, ni rendre convenable le mal qu'il y a en eux, ni les ramener de leur associationnisme vers l'unicité d'Allah. Non. Beaucoup de gens ont été guidés, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on fait taoba, sont revenus, plus ou moins dans la droiture. Mais est-ce que ceci a réformé et a réhabilité ces innovateurs? Non, ce sont restés les mêmes. Non. Est-ce que leur croyance s'est réformée? Non. Est-ce que leur voie, leur menhaj, la voie qu'ils suivent, la méthodologie qu'ils suivent, elle s'est rectifiée? Non. Yaqul Cheikh Al-Islam ba'da zalika. Wa hal idha ihtajja ar-rawafid bi annahum yuslimu ala aydihim aqwam. Hal naqbalu minhum ihtijajahum? Wa hal yughayyiru hadha shay'an min wasfihim bish-shirk wal-bid'ati wad-dalal? Cheikh Al-Islam dit, lorsque les rawafid soulevèrent comme argument en leur faveur que beaucoup de personnes étaient rentrées dans l'islam par leur biais. Vous vous rappelez de la révolution islamique de l'Khomeini dans les années 80? Beaucoup de gens ont été subjugués par cette révolution. Avant lui, il y avait le Shah d'Iran qui a été renversé. Il y a eu une révolution. Il est arrivé au pouvoir. Donc ils ont appliqué, soi-disant, Sharia, un état islamique en Iran. Et les musulmans, dans les pays arabes, parmi les gens de la Sunna, parmi les sunnites au sens large du terme, lorsqu'ils ont vu ça, eux qui vivaient la sortie du colonialisme et qui vivaient dans la faiblesse, dans l'humiliation, dans l'archaïsme, etc. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont vu un espoir. Et ils ont dit, Mashallah, beaucoup de gens sont rentrés par le biais des Rawafid. Et bien sûr, les Rawafid, ils ont utilisé cet argument en disant, regardez, beaucoup de gens sont rentrés par notre biais. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Islam? Lorsque les Rawafid soulevèrent comme argument en leur faveur que beaucoup de gens étaient rentrés dans l'islam par leur biais, devrions-nous accepter leur argument? Est-ce que ceci a changé quelque chose quant à leur shirk ou leur associationnisme, leur innovation religieuse et leur égarement? Ça n'a rien changé. Ce sont toujours les mêmes. Donc ceci, ça aussi c'est un argument qui n'est pas valide. Ce n'est pas parce que des gens sont revenus vers l'islam par ces gens-là que forcément, ce sont des gens qui sont sur la droiture. Quatrièmement, كثرة الأتباع الذين يحضرون اجتماعهم السنوي والعبرة ليست بالكثرة بل العبرة بموافقة الكتاب والسنة على منهاج النبوة والكثرة إذا لم تكن بهذا الوصف فهي مذمومة قال الله تبارك وتعالى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Je vais déjà vous traduire ceci. Quatrième argument, ils disent
Ils ont beaucoup de suiveurs qui assistent à leur rassemblement annuel. Ils ont un rassemblement annuel et un jamaat tablir. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens pendant ce rassemblement annuel. Ce qui prouve qu'ils sont sur la vérité. Cheikh Hassan dit, par rapport à ceci, la considération ne réside pas dans le nombre. Mais la considération, et je dirais même la considération ne réside jamais dans le nombre, à premier abord. Mais la considération à adopter réside dans la conformité avec le livre et la sunna sur la voie prophétique. Comment on fait pour savoir? On l'a déjà étudié ça mes frères. Comment on fait pour savoir si un groupe de gens est sur la vérité? Est-ce que c'est par le nombre de suiveurs? Là. Les gens de la sunna ont toujours été minoritaires. Mais ils sont sur la vérité. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dans les 73 sectes, il n'y a qu'une seule qui est sauvée. Il n'y en a pas 72 sauvées et une en perdition. Il y en a une sauvée et 72 vouées à la perdition. La considération à adopter ou le jugement qu'on doit avoir ne réside pas dans le nombre de suiveurs. Jamais. Mais on doit considérer est-ce que la personne ou le groupe est sur la voie du livre et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Si c'est le cas, alhamdulillah. Qu'il soit tout seul ou qu'il soit un million de personnes. Peu importe. Ça, c'est une considération qui n'est pas importante. Donc, c'est ce que dit ici Cheikh Raslan. Et il dit, et si ce nombre n'est pas sur cette caractéristique, c'est-à-dire s'il y a un grand nombre de personnes mais qui n'ont pas cette caractéristique d'être sur le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la compréhension des prédécesseurs, alors ce groupe est un groupe réprouvable, ou ce sont des gens réprouvables. Le Très-Haut a dit, tabaraka wa ta'ala, si tu obéis à la majorité, si tu obéis à la majorité des habitants de la terre, ils t'égareront du droit chemin, ou du sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc le discours est adressé au prophète. Et Allah lui dit clairement, tabaraka wa ta'ala, si tu devais obéir à la plupart des gens qu'il y a sur terre, ils t'égareront du droit chemin. Ce qui prouve bien que la majorité des gens sont dans l'égarement qu'Allah nous en préserve. Pour preuve, c'est que l'enfer sera rempli contrairement au paradis. L'enfer sera rempli d'hommes et de djinns contrairement au paradis. Il ne sera pas rempli d'hommes et de djinns. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أغرهيت والنبي ومعه رجل أو رجلان والنبي وليس معه أحد. Dans les deux authentiques, les deux sahih de l'imam al-Bukhari wa Muslim, d'après une version d'Ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ou l'envoyé d'Allah a dit sallallahu alayhi wa sallam, les nations me furent présentées le jour du jugement. J'ai vu un prophète avec lui un petit groupe d'hommes, c'est-à-dire ceux qui l'auront suivi. Puis j'ai vu un autre prophète avec lui un homme ou deux. Et le prophète a dit, puis j'ai vu un autre prophète seul, personne avec lui. Il était tout seul sur la vérité. Donc, mes frères, le nombre n'est jamais une preuve de la conformité à la vérité. قال الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحرقون ساكنا لأن هذا بزعمهم يفرق رحمة الله تبارك وتعالى على شيخنا الشيخ الألباني. Ce sont des gens qui voient clair. Et si on a vu clair sur Jamaat al-Tabligh, c'est par le biais des paroles des savants. Regardez ce que dit Cheikh Al-Albani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Il dit, la prédication du groupe des Tabligh est une prédication soufie contemporaine, appelant aux bonnes mœurs. Ce que je vous disais tout à l'heure. Jamaat al-Tabligh, ils vont exceller dans ce domaine. Naam, al-akhlaq, akhlaq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ikram al-muslimin, al-khuluq al-tayyib, le bon comportement, etc. Visiter les malades, visiter les frères. Tout ceci fait partie des choses de la sunna. Non ? Taïm. Donc, Cheikh Al-Albani, regardez ce qu'il dit. Il dit, ils appellent aux bonnes mœurs. Non. Au bon comportement. Quant à la réforme des croyances de la société musulmane, ils ne bougent pas le petit doigt.
Je l'ai traduit comme ça. La yuharrikuna sakina, ça veut dire ils n'arrivent pas à faire bouger quelque chose qui est immobile. Ça veut dire ils ne bougent pas le petit doigt là-dedans, dans ce domaine-là. Concernant la réforme et la rectification des croyances de la aqida. Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils n'agissent pas dans ce domaine? Non? Ou dans ce secteur-là? Cheikh Albani donne la réponse. Car, comme ils le prétendent, ceci divise. Non? Ceci divise. Et ça, ils ne le veulent pas. Pourquoi, les frères? Car eux, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la qualité. Ils veulent la quantité. Ils veulent beaucoup de suiveurs pour avoir cette notoriété. Au même titre que les frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin. Non? Ils veulent al-kathra, al-atba'. Naam. Et lorsqu'ils ont le kathra, la profusion des suiveurs, là, ils font toute une propagande en disant, regardez, des millions et des millions de personnes qui sont avec nous. Et ils pensent comme ça avoir l'assise, avoir le poids nécessaire pour faire bouger les choses. Hacha wa kalla. Naam. Les prophètes, ils ont soulevé, ils ont déraciné le shirk qui était ancré dans la terre avec un petit nombre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Badr, ils étaient combien? 300 et quelques, 310, 314. En face, ils étaient trois fois plus. Trois fois plus. Qui a gagné au final? Al-Muslimoun. Wa nazalatil malaika, tusa'iduhum fil qital. Et les anges sont descendus les aider dans le combat. Naam, les frères? Il n'y a pas besoin du nombre. Kam min fi'atin qalilatin. غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Combien de groupes peu nombreux ont vaincu des armées entières par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. بإذن الله. Pourquoi? Car ils étaient sur la vérité. Et la vérité est toujours secourue, mes frères. Donc ils disent هذا يفرق. Ça divise les gens. Faut pas parler d'aqida. وقد يسأل السائل. C'est toujours dans la parole du Cheikh Al-Albani. وقد يسأل السائل. وقد يسأل سائل. إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله. بل ربما أسلم على أيديهم ناس من غير المسلمين. أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه. Ça c'est un argument. Justement, qu'avait cité tout à l'heure Cheikh Raslan, en disant beaucoup de gens sont guidés par eux. Cheikh Al-Albani dit, une personne pourrait poser la question suivante. Certes, par ce groupe et par l'effort consenti de chacun de ses partisans, sont revenus beaucoup de gens vers Allah. Il se peut même que ce soit converti beaucoup de gens qui n'étaient même pas musulmans. Non, c'est une réalité, mes frères. Oui, bien sûr. Ceci n'est pas suffisant pour légitimer le fait de sortir avec eux, de s'associer avec eux dans ce vers quoi ils appellent. Donc Cheikh Albani, il pose la question. Il dit, on pourrait vous poser cette question. Là, Cheikh Albani répond, « Fanaqul, bi kulli rahatin wa sakinatin wa tmitnan. Fanaqul, inna hadhihi al-kalimat, na'arifuha wa nasma'uha kathiran. Wa na'arifuha min as-sufiyya. فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السنة بل ويأكل أموال الناس بالباطل ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه. Charles Bani dit, je vais déjà vous traduire ceci. Nous disons, ces propos-là, nous les connaissons déjà. Et nous les avons déjà entendus, souvent. Là, cet argument. Et nous le connaissons comme provenant de ce que disent les soufis. Par exemple, il se peut qu'un shir dont la croyance est corrompue, l'âme, dont la croyance est fausse, qui ne connaît rien de la sunna, il se peut même qu'il mange les biens des gens injustement. Trois petits points. Malgré ceci, beaucoup de gens pervers se repentent à Allah par son biais. L'âme. Donc, ce n'est pas parce que beaucoup de gens se guident par ton biais que tu es quelqu'un qui est sur la vérité, mon frère. Yaqulu, Cheikh Al-Albani, tu vois, c'est le kalamahu. فكل جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبع ولكن نحن ننظر إلى الصميم إلى ماذا يدعون هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف
وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت. شيخ الألباني دي الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى دي tout groupe appelant au bien a nécessairement des suiveurs. N'importe quelle secte qui appelle au bien, qui appelle aux bonnes mœurs, qui appelle à des choses de la sunna, a forcément des suiveurs. Non? Mais nous regardons la réalité et à quoi ils appellent. Appellent-ils à suivre le livre d'Allah et le hadith de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à la croyance des prédécesseurs, au non-suivi aveugle des écoles et à suivre la sunna où qu'elle soit et avec qui elle se trouve? La question, elle se pose. Non? فجماعه التبليغ ليس عندهم منهج علمي وانما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون وهذا كلام حق بلا شك. شيخ البنيدي le groupe des tabligh n'ont pas de méthodologie basée sur du ilm, sur la science, mais leur méthodologie ou la voie qu'ils empruntent varie suivant le lieu dans lequel il se trouve, changeant de couleur à chaque instant. Naam, les frères? Effectivement, et ça nous l'avons déjà remarqué, quand Jamaat al-Tabligh se trouve dans un endroit où il y a des salafis, ils vont avoir un discours qui sera lissé et qui sera plus proche du discours des salafis. Quand ils seront dans un endroit où il y aura des soufis, ils auront un discours qui sera plus proche de celui des soufis. Lorsqu'ils sont dans un endroit où il y aura des chiites, ils auront le discours qui s'apparenteront à celui des chiites, etc. etc. Là, il y a tala wanoun. Fahadihi min khasa isi al-bidah, kama daras nahad. Ceci fait partie des particularités des gens de l'innovation de manière générale. Ils changent de visage à chaque fois. Là, suivant le lieu, suivant l'époque dans laquelle ils vivent. Contrairement aux gens de la sunna, qui sont fermes sur la voie qu'ils ont empruntée. La voie vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils sont fermes, malgré les époques, malgré les lieux, malgré les gens qu'ils ont en face d'eux. Yazda'ouna bil haqqi. Ils tranchent sur la vérité. Ils n'ont pas deux visages, comme les gens de l'innovation religieuse. Leurs propos sont uniques. Leur croyance, elle est unique, elle ne varie pas dans le temps. Et nous l'avions déjà vu ça, mes frères. Et je vais en parler tout à l'heure, Inch'Allah. C'est lorsque vous retracez la croyance de tous ces imams, ces grands imams, qui ont rédigé des livres dans la croyance des pieux prédécesseurs, ils ont tous la même croyance. Alors qu'ils ont vécu à des époques différentes, dans des lieux différents, ils ont été confrontés à des gens d'innovation différents les uns des autres. Mais ils ont le même discours. Ils ne changent pas, car la vérité est une. Elle n'a pas plusieurs facettes. Naam, le frère. Alors que les gens du tablir, ils façonnent leur discours suivant le lieu dans lequel ils se trouvent. Ou selon les gens qu'ils ont en face d'eux. Non. Et ceci, c'est palpable, mes frères. Regardez quelques années, Jamaat al-Tabligh, comment il parlait. Regardez comment il parle maintenant. Alhamdoulilah, il y a une da'wa salafia en France. Il y a des frères qui ont fait des efforts pour enseigner la aqida. Sahiha, authentique, qu'ont fait Jamaat al-Tabligh. Ils ont perdu du terrain. Pour regagner du terrain, ils disent, nous aussi, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Non. Alors qu'ils sont en contradiction avec qui? Avec les têtes. Les têtes et les leaders de ce mouvement, non, qui eux jamais ne diront une telle parole, non, et jamais n'oseront ouvrir un livre de Charles Saïbid. Non, mes frères, voilà qui les tablir ici, ils le font, non, ils n'ont pas le choix, sinon ils sont mis en marge. Donc, on a fini la parole de Cheikh al-Albani, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Après avoir parlé de Jamaat al-Tablir, Cheikh Rassan parle de Jamaat Ikhwan al-Muslimin. Jamaat al-Tabligh, ils sont présents en France. Ils sont présents dans tous les pays. Mais ils sont présents en France. Donc ça nous concerne directement. Jamaat Ikhwan al-Muslimin, ils sont aussi présents en France. Non, mes frères? Ils ont un cadre officiel qui s'appelle l'UOEF. Entre autres. Il n'y a pas que cela, mais l'UOEF, c'est le plus connu. C'est la vitrine de Ikhwan al-Muslimin. Et voilà, mes frères, Ikhwan al-Muslimin, c'est une organisation qui est très très bien structurée. C'est une organisation très très bien structuré. يقول المؤلف وكذلك وقع الاغترار بجماعة الإخوان المسلمين لما كان من آثار جهود مؤسسيها في الدعوة ولما لها من آثار في بعض المجالات. شيخ رسلان دي
Et bien sûr, Jamaat Ikhwan Muslimin, son fondateur était égyptien. Et le fief, le merkez ou le centre principal d'Ikhwan Muslimin, il est en Égypte. La base de ce mouvement, elle vient d'Égypte. Jusqu'à maintenant, la haute hiérarchie de Jamaat Ikhwan Muslimin, elle est en Égypte. Donc, Cheikh Raslan parle de quelque chose qu'il connaît. Et ça fait plus de 30 ans qu'il les dénonce dans sa prédication. Ça fait plus de 30 ans qu'il dénonce ouvertement ce groupe égaré. Il dit, la tromperie envers le groupe des frères musulmans est aussi survenue par les effets des efforts de son fondateur dans la prédication. Le fondateur d'Ikhwan Muslimin, c'est Hassan al-Banna, al-Husafi. C'est Tariqat al-Husafiya. Non, c'est la confrérie soufie dans laquelle était ou avait fait allégeance le fondateur des frères musulmans qui s'appelle Hassan al-Banna. Donc, il faisait partie qu'un yantami et la Tariqat al-Husafiya. La tromperie envers le groupe des frères musulmans est aussi survenue de par le fait ou suite aux efforts de son fondateur dans la prédication dans la Darwa. Non, Hassan al-Banna. C'était dans les années 30, non, au XXe siècle. Ainsi que dans les traces qui sont restées dans les différents domaines. Non. Écoutez bien, mes frères. وَأَمَّا مَا اَعْتَقَدَهُ الْمُؤَسِّسُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عَقَائِدِ الصُّوفِيَّةِ وما كان عليه من تفويض معاني صفات الله تبارك وتعالى كما في قوله ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. Là on fait une application directe de ce qu'a dit Cheikh. Pour juger d'un groupe, qu'est-ce qu'on fait? On revient au fondateur de ce groupe. Qu'est-ce qu'il dit, à quoi il appelle? Non, regardez bien mes frères. Cheikh Raslan dit, quant à la croyance du fondateur, Hassan al-Banna, qu'Allah lui pardonne. Non mes frères, qu'Allah lui pardonne. Ce n'est pas une haine personnelle envers cette personne. De même que lorsque les savants font une mise en garde contre un tel ou un tel, ce n'est pas une haine personnelle. Mais la mise en garde, elle est pour préserver l'intégrité de la religion des gens, afin qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Donc on espère le pardon, on espère qu'Allah leur pardonnera, comme on espère qu'Allah pardonnera à cette Qutb. La shakka fi dhalika. Non, on espère. Voilà que ceci ne doit pas nous empêcher de mettre en garde contre sa croyance, ses écrits, les traces, l'héritage qu'il a laissé derrière, dont beaucoup de gens ont été trompés. Quant à la croyance du fondateur, qu'Allah lui pardonne, elle fait partie de ses croyances soufies. Avec ce qu'il y avait aussi de tafouïd concernant le sens des attributs divins. Comme le tafouïd, mes frères, c'est, ça vient du verbe fawwada, yufawwidu tafouïda. C'est le fait de dire sur les noms, sur les attributs divins, que nous reconnaissons le nom et l'attribut de tout ce qui a été rapporté dans le Coran ou dans la Sunna concernant les noms et les attributs divins, mais on ne cherche pas à connaître le sens. Et le sens, on le rejette à Allah. C'est-à-dire, on le laisse pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Nul ne connaît le sens qu'Allah. Autrement dit, c'est comme s'il disait la science d'Allah. Allah, il est alim. Ils disent oui. On dit que Allah, il est alim. Mais on ne sait pas ça veut dire quoi, l'alim. On ne cherche pas à savoir. Non. Ça, c'est très grave, mes frères. Pourquoi? Car ça revient à dire que Allah, tabaraka wa ta'ala, a parlé avec des termes incompréhensible pour embrouiller les gens. Donc ça attente à quoi au final? À la sagesse divine. C'est un discrédit et une atteinte directe à la sagesse d'Allah. Alors que la croyance des gens de la Sunna, elle est claire, mes frères. Nous reconnaissons les noms et les attributs d'Allah bil-lafzi wal-ma'na, textuellement et par le sens qu'il renferme. Car Allah tabaraka wa ta'ala a parlé dans une langue arabe claire. Et ce livre est explicite dans toute chose. Al-Qur'anun tibyanun li kulli shay'in. Pourquoi Allah se ferait connaître par des attributs et des noms dont on ne connaît pas le sens? Quel est l'intérêt? Donc on dit, nous les gens de la sunna, Allah il est savant et on sait c'est quoi la science. La seule chose qu'on rejette à Allah, qu'on ne connaît pas, c'est le comment. Comment la science d'Allah elle est? Allahu a'lam.
On sait qu'elle est parfaite, mais comment elle est? De même, les noms et les attributs relatifs aux membres du corps, comme le visage d'Allah, comme les mains d'Allah, comment ils sont, Allah wa'alam. Voilà qu'il le sens dans la langue arabe, il est connu. Non? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Hassan al-Banna? Écoutez bien. Il dit, faussement, il dit dans son propos, nous croyons que l'avis des salafs concernant le silence à observer et le rejet de la connaissance de ses sens à Allah est plus sûr et plus en droit d'être suivi afin de couper court à toute mauvaise interprétation et à toute négation. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Banna? Il dit le tafouid, le fait de dire le sens on ne le connaît pas, il dit ça c'est la voix des salafs. Ça c'est faux bien sûr. Il dit, nous croyons que l'avis des prédécesseurs, des salafs concernant le silence à observer, yaskutun, et le rejet de la connaissance de ses sens à Allah est plus sûr, aslam, est plus en droit d'être suivi, et ceci afin de couper court à toute mauvaise interprétation et à toute négation. Pourquoi il a pris cette voie-là? Pour s'opposer à ceux qui font du ta'wil, c'est-à-dire qui défendent et qui dénaturent le sens des versets ou des attributs divins, ou ceux alors qui font du négationnisme, même, qui annihilent les attributs divins. Donc vous voyez que rien que dans ça déjà, lorsqu'on revient au fondement et à la croyance du fondateur des Ikhwan Muslimin, on voit déjà qu'il n'est même pas salafi. Yaqulu Cheikh l'Islam, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, fatabayyana anna qawla ahli tafwid, الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شغل أقوال أهل البدع والإلحاد. Cheikh l'Islam dit, il apparaît clairement que les propos des gens du tafouid, ceux qui disent ça, comme Hassan al-Banna, ceux-là même qui prétendent suivre la sunna et les salaf, sont parmi les pires des propos des gens de l'innovation et de la déviance. Non, ce propos-là, le fait de dire, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des noms et des attributs, mais le sens, personne ne le connaît, de ces attributs ou de ces noms. Il dit ça, ça fait partie des pires des paroles des innovateurs. C'est un discrédit sur la sagesse divine. Tabaraka wa ta'ala. Wa qad ankara al-mu'assisu bi ghayri dalil al-mahdi wa khurujahu fa qala min husn al-hadd lam nara fi as-sunnah as-sahihah ma yuthbitu da'wa al-mahdi. وإنما أحاديثه تدور على الضعف والوضع. Regardez ce que dit ici Hassan al-Banna parmi ses égarements. Le fondateur renie sans aucune preuve le Mahdi et son avènement. Le Mahdi, qui viendra à la fin des temps, et son avènement. Disant, par bonheur, nous n'avons pas vu dans la Sunna authentique ce qui viendrait conforter la prétendue venue du Mahdi. Mais bien au contraire, tous les hadiths tournent autour de la faiblesse ou du mensonge. Ou bien ce sont des hadiths faibles, ou bien ce sont des hadiths mensongers. C'est ce qu'il dit lui. Cheikh al-Albani dit, لَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ وَاسْتَفَاضَتْ بِكَثْرَةِ رُوَاتِهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجِيءِ الْمَهْدِي وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه. Cheikh al-Albani dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, les informations ont été rapportées de façon notoire, ainsi que les narrateurs concernant l'avènement du Mahdi rapportant de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le fait qu'ils sont nombreux. Il fera partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mahdi. Il sortira en même temps que Isa alayhi salam, le soutenant dans son combat contre l'imposteur et Dajjal. Il sera l'imam de cette communauté et Isa priera derrière lui. Tout ça, c'est les hadiths authentiques. Comment Hassan al-Banna peut-il renier ceci? Non, mes frères. Et voilà, quand vous entendez parler, et ça, je l'ai déjà vu, mes frères, lorsque vous parlez à des vieux, min awam al-muslimin, de la génération avant moi ou celle d'avant, vous verrez qu'ils ont ces shubuhat. Pourquoi? Car ils ont vécu dans les pays arabes, ils ont vécu les mouvements des Ikhwan Muslimin, ou le mouvement de la révolution islamique d'Iran. Ils l'ont vécu, ils ont été touchés par ça. Ils ont été touchés par les écrits des personnes qui portaient cette da'wah. Et j'ai en tête quelqu'un qui pourrait être mon père,
et qui me disait, non, 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 le Mahdi ne viendra pas. Tous les hadiths sont faibles. Non. Jusqu'à ce que j'ai dû lui ramener un argumentaire, tous les hadiths, pour qu'il revienne sur sa position. Mais il avait appris comme ça. D'où il l'a appris ça? De ces gens-là qui propageaient ces choses-là. Donc eux, ils ont vécu cette da'wah. Donc l'importance, mes frères, d'appeler les gens à la croyance véritable, de faire da'wah à la croyance véritable, d'orienter les gens vers les savants, non, afin que les gens soient alertes et au courant de toutes ces erreurs. Wa aqidatul wala et wal bara. Ça, c'est très important, mes frères. Ça, c'est d'actualité aussi. Wa aqidatul wala et wal bara, inda al mu'assisi wal jama'ati bahitatun. Il dit aussi, la croyance du fondateur et de la confrérie des frères musulmans, concernant l'alliance et le désaveu, al-wala ou al-bara, cette croyance-là, il est terne et il est sans jalon ni repère. C'est-à-dire que leur alliance et leur désaveu, elles n'éclatent pas au grand jour comme l'alliance et le désaveu des gens de la sunna. Avez-vous vu quelqu'un de la sunna parmi les savants faire l'alliance avec les rawafid, avec les chiites, ou faire l'alliance avec des groupes égarés, ou faire l'alliance avec des mécréants? Jamais vous verrez ça. Mais ça, vous le verrez chez Ikhwan al-Muslimin. C'est pour ceci que le mu'allif dit, cette da'wah, cette alliance ou ce fondement chez eux, il est bahita. Bahita, c'est-à-dire il n'a pas de lumière, il est terne, il est pâle. On ne sait pas trop comment ils avancent. Alors que le principe de l'wala ou el-bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance avec Allah et ses alliés et le désaveu de tous les ennemis de tous les ennemis d'Allah, elle est claire chez les gens de la sunna, alhamdoulillah. Contrairement à celle qui se trouve chez le fondateur de ce groupe ou de cette confrérie et ceux qui les suivent. Faqad qala al-mu'assis fi ma naqalahu 'an Mahmoud 'Abd al-Halim wa uqarriru أن خصومتنا لليهود ليست دينية لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. Le fondateur dit, comme ceci a été rapporté par Mahmoud Abd al-Halim, c'est un personnage qui a fait la biographie de Hassan al-Banna. Il rapporte cette parole de Hassan al-Banna en disant, donc ici c'est Hassan al-Banna qui parle, il dit, j'affirme que notre conflit avec les juifs n'est pas un conflit d'ordre religieux. Avez-vous déjà entendu cette parole? Vous savez chez qui je l'ai entendu parmi les contemporains? Youssouf al-Qardawi. Il a dit « Sira'una ma'al yahoud, laisa sira'an diniya. Naam, li ajli l'aqida. Bel hiya sira'un li ajli l'ard. » Hada ma kala Youssouf al-Qardawi. Hada Allah. Il dit quoi? Il dit le conflit qu'on a avec les juifs n'est pas un conflit d'ordre religieux. Mais c'est un conflit à cause d'une terre. Regardez ce que dit Hassan al-Banna, qui est le fondateur des Ikhwan al-Muslimin, et Youssouf al-Qardawi, qui fait partie des Ikhwan al-Muslimin. Il dit, j'affirme que notre conflit avec les juifs n'est pas un conflit d'ordre religieux, n'est pas un conflit sur la aqida, sur le menhaj, car le Coran nous enjoint à les considérer comme nos semblables et à valider leurs croyances. Et l'islam est une législation humaine avant qu'elle ne soit une législation tribale ou nationaliste. Louons leur mérite et instituons entre nous et eux des points de concordance. Et regardez, il ramène un verset coranique pour appuyer ses propos en disant « Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. » Voilà ce qu'il ramène comme verset coranique pour appuyer ses propos. Il dit, le Coran a certes voulu que le problème juif soit pris comme un problème d'ordre économique ou alors juridique ou législatif. Subhanallah, ma hadha al-kalam. Depuis quand le conflit entre les musulmans et les juifs n'est pas un conflit d'ordre religieux? Pourquoi détestons-nous les juifs? Si ce n'est par le fait qu'ils ont renié les prophètes, ils ont tué les prophètes, ils se sont moqués d'Allah,
Ils ont insulté Allah, ils ont bafoué l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un conflit d'ordre religieux, ça? Donc même le fondateur, déjà, il disait déjà des propos comme ça. Imaginez-vous les dégâts que ça va causer chez les suiveurs. Le pire est à venir. وقد كان يشد الرحال إلى القبور كما في مذكراتي وكان صوفيا ممجدا للتصوف كما في قوله نظام الدعوة في هذا التور صوفي بحت من الناحية الروحية. Il dit, certes, il a tenu sa monture pour voyager vers les tombes. نعم كان قبوريا. C'était un kubouri, c'était un adorateur de tombe. Il attelait sa monture, shaddor rihal, c'est-à-dire attelait sa monture et la, bien la serrer afin de faire des longs voyages. Comme a dit le prophète, salam, on ne doit atteler sa monture correctement que vers trois mosquées. La mosquée à Mecca, Al-Madina, ou Al-Masjid Al-Aqsa, en Palestine. Non. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils attellent leur monture. Où il se prépare d'un long voyage, mais vers où? Vers les tombes. Donc il dit, il a tenu sa monture pour voyager vers les tombes, comme ceci est rapporté dans ses souvenirs, dans ses mémoires. Donc il voyageait vers les tombes, comme ceci est rapporté dans ses mémoires. Ce fut un soufi exaltant la voix soufie. C'était un soufi qui faisait la propagande de la voix soufie. Comme il le dit lui-même, l'organisation de la prédication dans cette étape ou à cette étape est purement soufie d'un point de vue spirituel. Subhanallah. Lui-même, il le reconnaît. Tout le côté spirituel de notre darwa, de notre da'wa, de notre prédication, elle est d'ordre soufi. Naam, elle est soufi. Quel est le rapport entre la voix des salaf et celle-là? وَانْتِلَاقًا مِنْ قَاعِدَةِ التَّعَاوُنِ وَالْمَعْذِرَةِ نَتَعَاوَنُ فِي مَا اتَّفَقْنَ عَلِيهِ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تم التقارب مع الروافض ووقعت الموالاة لهم وغد الترف عن تكفيرهم للأصحاب إلا قليلا وسبهم أمهات المؤمنين وطعنهم في القرآن وتكفيرهم لأهل السنة وغلوهم في علي وآل البيت وخياناتهم على مدار التاريخ للأمة إلى غير ذلك من مقري الروافض. En partant de la règle qui stipule, la règle qu'ils ont inventée, qui stipule l'entraide et le pardon, en disant, nous nous entraidons dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, et nous nous pardonnons, et nous nous excusons les uns les autres sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence. Là, cette règle-là, ils l'appellent comment? La règle en or. Pour eux, c'est une règle en or. C'est comme si c'est une règle qu'ils accrochent comme ça, chacun au-dessus de leur porte, et avant de sortir de chez eux, ah, faut pas que je rentre en divergence avec mon frère. S'il est d'accord avec moi, on s'entraide. Si on est en divergence, on ferme les yeux. Cheikh Al-Athaymin, comment il appelait cette règle? Al-Qa'idatul Khashabiyya. Non. Et Charles Fawzan dit, cette règle-là, elle vient détruire l'islam de l'intérieur. Cette règle-là, elle vient détruire l'islam de l'intérieur. Comment on ferme les yeux sur le munkar? Ton frère, il est en train de faire du haram, tu fermes les yeux dessus? Tu le laisses mourir, tu le laisses périr, sous prétexte que je t'excuse tes fautes. Et tu m'excuses les miennes. Tu te diriges vers l'enfer, c'est pas grave. Et je me dirige vers l'enfer, c'est pas grave, on s'excuse. Ferme-moi les yeux dessus. Subhanallah. S'il n'y a pas l'amr bil ma'ruf, l'ordonnance du bien et la réprobation du mal, c'est la religion qui s'opère. L'âme des frères. S'il n'y a pas les savants dans une communauté qui appellent au bien et qui réprouvent le mal, vous pensez que c'est les gens qui vont avoir le recul nécessaire et la science nécessaire pour pouvoir faire le bien et éviter le mal? Personne. L'âme. Si on n'a pas les savants avec nous, comment on peut différencier le bien du mal? Non, mes frères. Donc, l'ordonnance du bien et la réprobation du mal, elle est nécessaire. Ton frère, il est dans la galère, le laisse pas tomber. Ou sous prétexte que, si tu lui fais un reproche, tu vas diviser encore plus. En partant de cette règle-là, tiens, là, ça dit, en partant de cette règle-là,
Nous nous entraînons sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Et nous nous excusons et nous nous pardonnons les uns les autres mutuellement sur les choses sur lesquelles nous sommes en divergence. À cause de ceci, et sur cette règle-là, le rapprochement avec les chiites s'est conclu. L'âme est survenue. Effectivement, mes frères, jusqu'à maintenant. Qardaoui, pour ne citer que lui, mais aussi le Hamas en Palestine, qui est une branche d'Ikhwan Muslimin. L'âme, ils ont fait des pactes avec Ahmadinejad, l'ancien président d'Iran. Ahmadinejad. Shia. L'âme. Ils ont fait des pactes jusqu'à ce qu'en Palestine, dans la bande de Gaza, il y avait des propagandes chiites. Des propagandes chiites, des tracts qui appelaient ouvertement au schisme, ou à la voix des Rawafid. Tu veux faire des compromis sur ta religion? Non. Voilà qui les Shia. Leur religion, c'est du mensonge. Eux, ils font des compromis, mais derrière, c'est pourquoi? C'est pour t'anéantir. Rawafid, ils détestent les gens de la Sunna. Sachez-le, mes frères. Pour eux, t'es pas un musulman. T'es rien pour eux. Si t'es pas avec eux, t'es un kafir. Voilà la croix des Shia. Ikhwan Muslimoun, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils font ce rapprochement en disant, il faut le nombre. Il faut le plus de personnes pour qu'on ait cette assise sur terre. Non. Donc ils ont conclu des pactes. Pareil en Égypte. Le chiisme était inexistant. Depuis que les Ikhwan Muslimoun sont passés au pouvoir, maintenant il y a une da'wa, une prédication ouverte au chiisme. En Égypte, chose qui n'existait pas. Donc, lorsqu'on applique cette règle-là, surtout avec les Shia, vous insultez les compagnons du prophète, c'est pas grave, on ferme les yeux. Vous insultez les mères des croyants, c'est pas grave, on ferme les yeux. Vous rendez mécréants à Abu Bakr ou à Omar et vous vous rapprochez d'Allah en les insultant et en les maudissant, c'est pas grave, on ferme les yeux. Vous dites que le Coran il est pas complet, c'est pas grave, on ferme les yeux. Vous dites que Ali ou Al-Hussein, ils sont infaillibles, c'est pas grave, on ferme les yeux. Ce qui compte, c'est le rassemblement, Al-Tajammu'. En partant de cette règle, le rapprochement entre les chiites s'est conclu. C'est parfait. Et l'alliance avec eux est survenue. En fermant les yeux sur l'anathème qu'ils portent sur les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf un petit nombre. Les insultes qu'ils profèrent aux mères des croyants, ou envers les mères des croyants. Le discrédit qu'ils portent au Coran. L'anathème qu'ils portent aux gens de la Sunna. L'anathème, c'est-à-dire ils les traitent de mécréants. Leur exagération sur la personne de Ali, qu'Allah l'agrée, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, et les gens de la famille du prophète, sallam, ainsi que leur trahison à Fouane et leur traîtrise à travers l'histoire de cette communauté ou envers cette communauté. C'est ce que dit Cheikh l'Islam. Il dit que les plus grands ennemis de l'Islam, ce sont les Rawafid. Il n'y a pas des plus grands traîtres de l'Islam que Rawafid. À la madar et tarikh, à travers toute l'histoire. Et je vous avais déjà rapporté ceci, c'est que les Mongols, ils n'ont pu rentrer dans l'état d'islam que par le biais des chiites. Les Mongols, ils venaient d'où? Ils venaient de l'Est, d'Asie centrale. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'actuel Iran, en Perse, ils ont fait l'alliance avec le gouverneur de la Perse de cette époque-là, son nom m'échappe, Khabith, qui a fait un pacte avec eux et qui a dit que c'est la bonne occasion pour anéantir les gens de la Sunna. Donc il a ouvert ses frontières. Et les Mongols, Mughals, ou Tatar, c'était le Tatar ici, c'était pas le Mughal, c'était le Tatar, ils sont rentrés en Irak et il y a eu un bain de sang. Jusqu'à ce que certains historiens ont dit que l'Euphrate, Al-Furat ou Dajla, les deux grands fleuves d'Irak, étaient couverts de sang, étaient rouges de sang. Al-Maktabatu Al-Hikma, c'était une grande bibliothèque qui a été institué à l'époque de Mahmoud, où il y avait des ouvrages, des manuscrits. Ils ont tout brûlé. Tout l'héritage des pieux prédécesseurs qui étaient consignés dans ces livres, tout a été brûlé. Est-ce que le rapprochement est possible avec eux? Non. Là. Pourquoi les frères musulmans le font alors? Nata'awanu ba'duha ba'duna ba'da fi mattafakna alayhi wa na'dhuru ba'duna ba'da fi mahtalafna fihi. Cette règle en bois. Bien sûr, eux, c'est juste pour rassembler le plus de personnes afin de, soi-disant, c'est comme ça qu'ils pensent, avoir l'assise sur terre et pouvoir renverser les gouvernements
qu'ils veulent renverser. وفي المقابل يحارب الإخوان المسلمون أهل السنة ويفترون عليهم الأكاذيب ولا ينزلونهم منزلة الروافد في التقريب والولاء. هذا أمر عجيب يا إخوان. À l'opposé, donc les frères musulmans, ils se rapprochent des Rawafid, mais à l'opposé, ils combattent qui? Al-Sunnah, ceux qui les dénoncent. Alhamdulillah. Quant à l'opposé, les frères musulmans mènent une guerre contre les gens de la Sunnah, mentant délibérément sur eux, ne les considérant pas comme les Rawafid dans le rapprochement et dans l'alliance. De toute façon, on ne veut pas s'allier avec eux, ni se rapprocher d'eux. وأما دعوتهم إلى الحزبية فقد فرقت الأمة وشتتت الكلمة وحولت المسلمين إلى أحزاب وشيع. Quant à leur prédication au sectarisme, elle a divisé la communauté et a disloqué la parole et a changé les musulmans en sectes et en clans. Par la suite, à la suite de ceci, bon, le Mu'allif rapporte plusieurs fatawa, à savoir du comité permanent des savants. Je vous ai juste ramené celle de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, allez, sinon on ne va pas finir le cours, parce que vraiment le chapitre il est long. Donc, par souci de concision, je vous ai ramené la fatwa de Cheikh Ibn Baz dans la page suivante. Su'ila Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, alayhi, su'alan, nassuhu. Hal jama'atu tabligh ala ma hum alayhi min shirkiyat wa bid'a, wa jama'atu l'ikhwani ala ma indahum min tahazzubin wa shakil asa. هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرقة الهالكة؟ الجواب. Je vais déjà traduire la question. Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été questionné par la question suivante. Est-ce que le groupe des Tablighs, de par leurs actes de polythéisme et leurs innovations, ainsi que le groupe des frères musulmans, de par leur sectarisme et leur révolte contre le gouverneur? Ici, je l'ai traduit par révolte contre le gouverneur, mais Shakl Asa, en fait, ça veut dire sortir de l'allégeance du gouverneur. Non. De par leur sectarisme et leur révolte contre le gouverneur, est-ce que ces deux groupes rentrent dans les groupes voués à la perdition? C'est-à-dire les 72 sectes voués à la perdition? Al-Jawab. Tadkhulu fi thintayn wa sab'in. Wa man khalafa 'aqidat ahli sunnati dakhala fi thintayn. المراد بقوله أمتي أي في حديث الافتراق أي أمة الإجابة استجابوا له وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. Je vous traduis déjà ceci. La réponse. Il rentre dans les 72 sectes. Jama'at al-Tablir ou Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Il rentre dans les 72 sectes vouées à la perdition. Toute personne contredisant la croyance des gens de la Sunna rentre dans les 72. Le sens de la parole du prophète, ma communauté. Lorsque le prophète a dit ma communauté se divisera en 73 sectes. Naam. Ma communauté, c'est-à-dire la communauté qui a répondu à l'appel du prophète, c'est-à-dire ceux qui s'apparentent à l'islam ou qui ont dit nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on parle de ceux qui ont répondu à l'appel du prophète. Donc ceux qui se réclament de l'islam. C'est ça qui est voulu lorsque le prophète a dit ma communauté se divisera en 73 sectes. Et ça, c'est important à comprendre. Car il y a des da'is en France, il y a des frères en France qui disent non, le hadith des 73 sectes, lorsque le prophète il a dit ma communauté, c'est ma communauté, il a voulu dire aussi les koufars. Parmi les mouchriquines, parmi les chrétiens, parmi les juifs. C'est-à-dire il ne reste plus beaucoup de place parmi les pour les groupes égarés des musulmans. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre le hadith. Ma communauté, le prophète a dit, ma communauté dans l'islam. Naam les frères, celle qui a répondu à l'appel du prophète. Donc c'est ce que dit ici Hacham Nobez. Il dit, ils ont répondu à son appel et ont manifesté son suivi. 73 sectes, celle qui sera sauvée, préservée, sera celle qui l'aura suivie et se sera réformée sur sa religion. 72 sectes, parmi eux le mécréant, parmi eux le désobéissant, parmi eux l'innovateur. Nous avions vu que certains innovateurs font des innovations religieuses qui les font sortir de l'islam. Là, c'est le sens de la parole de
Cheikh Ibn Baz, parmi les sectes déviées, il y a des koufars. Ils manifestent le suivi du prophète, mais ils sont mécréants, car ils ont fait des actes qui les ont fait sortir de l'islam. Non. Parmi eux, le désobéissant, parmi eux, les novateurs. قال السائل, le questionneur a dit, قال السائل, يعني هاتان الفرقتان من ضمن الثنتين والسبعين. الجواب, نعم, من ضمن الثنتين والسبعين, والمرجئة والخوارج, بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين. انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى. Alors, le questionneur a dit, c'est-à-dire que ces deux groupes-là font partie des 72 sectes. Il a réitéré la question. La réponse, oui, elles font partie des 72 sectes. Les Mourji'a, les Khawarij, et certains savants considéraient les Khawarij comme des mécréants, sortis de l'islam, mais faisant partie intégrante des 72 sectes. Cette fatwa, mes frères, c'est la fatwa. Donc, elle a été répertoriée dans la revue qui s'appelle As-Salafiyya, sous le numéro 7, donc le numéro 7 de cette revue, en l'an 1422. Et elle a été prise d'un cours de Cheikh Ibn Baz, Fichar al-Muntaka, donc c'est dans le fer, ça, dans la ville de Ta'if, 2 ans à peu près avant sa mort. Donc, c'est important de signifier ceci, car ça fait partie de ces dernière fatwa concernant Jama'at al-Tabligh wa Ikhwan al-Muslimin. Car Cheikh Ibn Baz, avant ceci, il avait des fatwas sur Jama'at al-Tabligh qui ne disaient pas ça. Donc c'est cela qui doit être pris en considération. Donc nous passons directement à la page 460 du livre. Yaqulu al-Mu'allifu, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, wa al-Qa'idatu التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات وهي قاعدة باطلة سيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم درعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه. La règle sur laquelle s'appuient ceux qui défendent les gens de l'innovation est la suivante. Deux points. La règle de la pondération entre les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est ce qu'on avait déjà étudié, un chapitre entier sur ça. C'est le fait de dire, d'accord, vous critiquez les gens de l'innovation, mais vous évoquez aussi leurs qualités. Non. Ceci est une règle qui est fausse. Mais les gens de l'innovation la véhiculent dans la défense de leurs savants et la prennent comme un bouclier par lequel ils se protègent ou alors une grotte dans laquelle il se réfugie. Non, les frères, cette règle-là, ils la prennent comme un bouclier par lequel ils se défendent en disant, vous critiquez notre chir, soi-disant innovateur, mais ces innovations ou ces erreurs sont noyées dans l'océan de ces hasanats, de ces bonnes actions. Non. Donc ils font passer la pilule comme ça. « Wahiya wasilatun lil-khida'a » وغش للمسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهي خيانة لله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ceci est un moyen pour arriver à la tromperie, la duperie envers les musulmans. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Effectivement, mes frères, si une personne elle a des graves erreurs et elle appelle à ses erreurs, et que nous disons, oui, il a des erreurs, mais il a des qualités. On va semer quoi? Le trouble dans la tête des gens. Non. Et ceci, ça revient à quoi? Ça revient à tromper, à les tromper. Au lieu de leur dire la vérité, leur dire, cet homme-là, il a des erreurs, il a des graves erreurs, fais attention. Ils disent, non, il a des graves erreurs, mais il a des qualités, machallah. Regarde ce qu'il fait à droite et à gauche. Non, il aide les orphelins, il a une mosquée, il nourrit le pauvre, il fait toutes sortes de bien. Donc qu'est-ce que tu vas jeter le trouble dans la tête des gens et les gens ils vont se dire au final, oui c'est vrai, il fait du bien. Pourquoi se casser la tête alors et pointer le doigt sur ses erreurs? Laissons ça de côté, prenons le bien qu'il fait. Donc c'est comme si tu venais tromper ces gens-là, en leur cachant une partie de la vérité. C'est ce que dit Cheikh Rassel en disant,
Ceci est un moyen pour arriver à la tromperie et la duperie envers les musulmans. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. C'est une tromperie envers Allah et en son messager. Car certes, le Très-Haut a dit, ô vous les croyants, ne trahissez pas Allah et le messager et ne trahissez pas le dépôt qu'on vous a confié alors que vous savez. Quel est ce dépôt, mes frères? C'est la science qu'Allah t'a octroyée. Ne le trahis pas. Non, mais lorsque tu vois quelque chose de réprouvable devant toi et que tu sais que c'est réprouvable, ne le garde pas pour toi, mais réprouve-le de la meilleure des façons. Non, ça fait partie du dépôt qu'Allah t'a confié. Si tu ne le fais pas, tu as fait preuve de trahison envers la religion d'Allah. Thumma yaqul wa ayu khiyanatin a'zamu min an yurawwaj bayn al-muslimin an takfir al-mujtama'at wa at-ta'n fi al-anbiya' wa sab as-sahaba wa ta'wil as-sifat wa al-qawl bi khalq al-Qur'an wa wahdati al-wujud sayyi'atun matmuratun fi bahri hasanatih. Cheikh Hassan dit, et quelle plus grande trahison que de propager parmi les musulmans l'anathème porté sur les sociétés musulmanes, la calomnie sur les prophètes, l'insulte des compagnons, la dénaturation des attributs divins, dire que le Coran est créé, qu'Allah et sa création ne font qu'un, et de dire que tout ceci est noyé dans la mer de ses bonnes actions. Qui c'est qui disait tout ceci, mes frères? Cette Qutub. Donc cette parole-là, elle vient en annexe de tout ce qu'a dit Cheikh juste avant sur cette Qutub. Mais voici un florilège, si on peut le dire comme ça, de ses égarements. Qu'Allah lui pardonne. Écoutez bien. L'anathème porté sur les sociétés musulmanes. Effectivement, cette Qutub considérait que toutes les sociétés musulmanes, à son époque, elles étaient mécréantes. Deuxièmement, la calomnie sur les prophètes. Effectivement, il a calomnié Suleyman ou Daoud. La calomnie, l'insulte des compagnons. D'accord? Il a insulté Muawiya, Uthman, Abu Sufyan, le père de Muawiya, ou Hind ibn Utba, la mère de Muawiya ibn Abi Sufyan. Kulluhum min as-sahaba. Il les a insultés. La dénaturation des attributs divins. Il a fait ce qu'on appelle ta'wil sifat. Dénaturation des attributs divins en disant, par exemple, tel attribut divin, il n'a pas ce sens-là, il a un autre sens. Par exemple, le visage d'Allah, ce n'est pas le visage, c'est la générosité d'Allah. Les mains d'Allah, non, ce n'est pas les mains, c'est la générosité d'Allah, ou la puissance d'Allah. Hein, c'est du ta'wil, c'est ce que font Asha'ira. Dire aussi que le Coran est créé, il dit que le Coran est créé. Il dit que Allah et sa création ne forment qu'une seule chose. Laysa fil wujud haqiqatun illa hu, comme il dit. Il n'y a dans la création comme réalité que lui. Il n'y a dans le monde qu'une seule réalité, c'est lui. C'est comme si tu dis qu'Allah et sa créature ne font qu'un. Et ça, c'est la réalité. Il a d'autres paroles dans ce sens-là. Et certaines personnes viennent nous dire après que toutes ces erreurs-là sont plongées ou sont noyées dans la mer de ses bonnes actions. Donc, c'est-à-dire elles sont insignifiantes par rapport à ses bonnes actions. Et Cheikh Hassan dit, mais quelle plus grande traîtrise et trahison le fait de fermer les yeux sur ça. Mais pourquoi on parle tant de cette Qutub? Parce que ces livres, ils ont eu un impact terrible dans la communauté. S'il avait écrit et rédigé ces livres, mais ils n'ont pas eu la notoriété qu'ils ont eue, on n'aurait pas parlé de cette Qutub. Ils seraient tombés dans l'oubli. Voilà que ces livres, ils sont étudiés, appris, échalandés, propagés, pris comme référence. Il est là le problème. Voilà pourquoi on parle de cette Qutub. C'est pas une focalisation sur cet homme-là. Alors, la page d'après. يقول المؤلف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعملها بل كان عند النصيحة وعند التحذير لا يذكر حسنة أبدا وهذا هو منهج أهل السنة فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة مواقع لأهل البدعة غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas orientés vers cette voie-là, cette voie de citer les qualités et les défauts lorsqu'on fait une mise en garde. Et ne l'a pas utilisé non plus. Mais lors de la prodigation du bon conseil et de la mise en garde, il n'évoquait que les mauvaises actions, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Et celui qui contredit ceci est à l'écart des gens de la sunna sur les traces des gens de l'innovation trompant la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand cet homme-là qui s'était opposé au prophète, concernant le butin et le partage. C'était un adorateur lui aussi. Le prophète a dit quoi? A mis en garde.
Non, il a mis en garde contre eux. Il n'a pas dit non, ce sont des grands adorateurs et ils ont des erreurs. Non, soyez pondérés dans votre. Le prophète a mis en garde. Il a dit si je suis vivant, je les tuerai comme fut tué le peuple de Had. Mise en garde sévère. Le prophète, dans les mises en garde, ne citait pas les bonnes actions pour pas tromper les musulmans par ceci. Et ceci est la voix des gens de la sunna. Alhamdulillah. والواجب على الوعاد والدعاة في كل مكان أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Ce qui est obligatoire pour les exhortateurs et les prédicateurs de toutes parts, c'est qu'ils craignent Allah concernant les jeunes. Savez tous que les jeunes, contrairement à des vieux, ils ont ce qu'on appelle ce Hamas. C'est-à-dire cette motivation, cet enclin à vouloir faire beaucoup de choses pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ils sont souvent trompés par de beaux discours. Donc ici, Cheikh Rassan dit que ces gens-là craignent Allah concernant les jeunes à qui ils font la darwa et à qui ils prodiguent le conseil. Et qu'ils les appellent à la religion d'Allah le Très-Haut uniquement et qu'ils prennent du livre de la sunna et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. نعم نصيحة لهؤلاء الدعاة وليعلم هؤلاء الدعاة أنه لا عذر لهم فلا يقبل أن يخرجوا الناس من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية. Que ces prédicateurs sachent qu'ils n'ont pas d'excuses, qu'il n'est pas acceptable qu'ils fassent sortir les gens des péchés qui ne sont pas des innovations religieuses vers les innovations religieuses qui sont préférables aux yeux d'Iblis que le simple péché. La page d'après, tout en bas, Cheikh Rassan dit aussi وَلْيَعْلَمْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ سَارُوا دُعَاتًا لِلْبِدْعَةِ وَأَنَّ تَوْبَتَهُمْ تَتَطَلَّبُ شَرْطًا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَوْبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي وَهُوَ أَنْ يُصْلِحَ بَدَلَ إِفْسَادِهِ وأن يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدعة وأهل الأهواء وأن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال. Ça c'est très important mes frères, c'est pour ça que j'ai voulu vous le traduire. Que ceci, c'est-à-dire ces prédicateurs, sachent qu'ils sont devenus des prédicateurs à l'innovation religieuse et que leur repentir nécessite une condition dans le cas du prédicateur innovateur. C'est qu'il réforme ce qu'il a corrompu, c'est-à-dire il répare cet or. Il a appelé à des innovations, il a appelé à des égarements, il doit réparer ses torts. Le simple taouba comme ça en disant je me repens à Allah n'est pas suffisant. Il faut qu'il répare ses torts, il a fait du mal. Donc, qu'il réforme ce qu'il a corrompu. Qu'il s'accroche à Allah au lieu de s'accrocher aux innovateurs et aux gens de la passion. Et aussi qu'il doit éclaircir ce à quoi il a appelé comme innovation et égarement. Trois choses. Islah al-nafs, il doit se réformer lui-même. Deuxième chose, il doit se détacher du péché, al-iqlar. Et ici, c'est dans la parole du shir, il doit se détacher des innovateurs. Non, tu fais taouba, t'as l'innovateur, tu fais taouba, taïb. Déjà, tu te corriges toi-même. Deuxième chose, tu t'écartes de l'innovateur comme quelqu'un qui fait taouba s'écarte du péché et se détache du péché. Non, s'il fait taouba, mais il est toujours en train de faire le péché, est-ce que ce taouba est valide? Est-ce que sa taouba est valide? Là, il n'est pas valide. Il faut ce qu'on appelle il faut qu'il se détache du péché pour que son tauba soit accepté. Et enfin, il faut qu'il rende le droit des gens, c'est-à-dire qu'il répare ses torts. Comment? Ils disent, comme a fait Abul Hassan al-Ash'ari lorsqu'il est passé de Madhab al-I'tizal au Madhab al-Kullabiyya plutôt, à la voix des gens de la Sunna, de la voix de l'imam Ahmed. Il est monté sur le minbar. Il avait une djoubba, il l'a enlevée et il a dit « Je me désavoue de ce sur quoi j'étais et je me détache de ceci comme cette djoubba se détache de mon corps. » Et il l'a laissé tomber par terre devant des milliers de personnes. Il a fait un taouba alanan en public pour que les gens y sachent. Non, c'est pas il fait un taouba chez lui ou dans un cercle privé entre deux personnes. Il faut que les gens y sachent que cette personne-là elle est revenue. Non. Alhamdulillah, et son taouba, il a été compris par les gens de la sunna.
Et l'imam Ahmed a vanté son taouba et a déclaré le mérite de son repentir. Non. Donc il est nécessaire qu'il fasse tout ceci. Je vous ai traduit aussi la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, qui dit, yaqul, min shuruti tawbati da'i ila al-bid'a, an yubayyina, anna ma kana yadu ilayhi bid'atun wa dhalala, wa anna al-huda fi diddihi, kama sharata ta'ala fi tawbati ahli al-kitab, الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليدلوا الناس بذلك وأن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Je vous traduis déjà ceci. Ibn al-Qayyim dit, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, parmi les conditions du repentir du prédicateur à l'innovation religieuse. Deux points. C'est qu'il doit éclaircir ce à quoi il appelait comme innovation et égarement. Il dit aux gens clairement, avant j'appelais à ceci, c'est une erreur, c'est un égarement. Je me suis trompé. La vérité c'est ça. Et bien sûr, ceci c'est à son honneur. S'il fait ceci. Pareil. Et que la guidée réside dans son opposé. Il doit dire ceci aux gens. La vérité est à l'opposé de ce à quoi je vous appelais. Comme le Très-Haut a conditionné le repentir des gens du livre, dont leur péché était le fait qu'ils cachaient ce qu'Allah a descendu comme preuve et guidée afin d'égarer les gens par ceci. Ils devaient, les gens du livre, réformer leurs actes en eux-mêmes et éclaircir aux gens ce qu'ils cachaient à leurs yeux. L'âme, le Très-Haut a dit, ceux qui cachent ce que nous avons révélé comme preuve des guides, comme preuve et guidé, après que nous ayons exposé aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah a maudit et ce et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, réformés, c'est-à-dire qui se sont corrigés, et qui ont montré ce qu'ils cachaient comme erreur. De cela, j'accepte le repentir. C'est-à-dire que s'ils ne font pas ça, le repentir n'est pas accepté. Non, mes frères, car je suis celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Non. Donc, parmi les conditions du repentir du prédicateur à l'innovation religieuse, il y a notamment le fait qu'il dise qu'il était dans l'erreur et qu'il doit exposer aux gens qu'il n'est plus dans cette erreur-là. Et qu'il est revenu sur la voie droite, et il doit dévoiler toutes les erreurs dans lesquelles il a appelé les gens. Non. Ibn al-Qayyim dit aussi, كما شرط الله تعالى في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة. أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. انتهى كلام ابن القيم الجوزية. Il dit aussi qu'Allah lui fasse miséricorde. Allah aussi conditionné dans le repentir de l'hypocrite dont le péché est de corrompre les cœurs des croyants faibles. Aussi à cause de leur parti pris et de leur attachement aux juifs et aux associateurs, les ennemis de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. En faisant apparaître l'islam par ostentation, ils devaient se réformer au lieu de corrompre, de s'accrocher à Allah au lieu de s'accrocher aux mécréants parmi les gens du livre et aux associateurs, et d'être sincères envers Allah dans leur religion au lieu de faire apparaître l'islam par ostentation. Pour que le repentir de ces hypocrites puisse être accepté auprès d'Allah, il devait faire tout ceci. Non. C'est ainsi que sont comprises les conditions du repentir et de sa réalité, et Allah est celui dont on implore l'aide. Voilà ce que dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Izan, la budda min al-nazari fil usul, fala tahkum ala jama'atin min al-jama'at, wala firqatin min al-firaq bi afradiha munfasirin, قد يكون منهم من أهل الصلاح من يكون ولكن قل تعالى فلننظر إلى الأصول ما المنهج الاعتقادي عندكم
وهذا هو الأصل ما تقولون في التوحيد وعلى أي شيء يتربى الناس عندكم في مناهج الاعتقاد. Cheikh Rastan ici nous donne une méthodologie justement pour pouvoir déceler qui sont les gens de l'errance et de l'égarement. Il dit, il est nécessaire de regarder dans les fondements sur lesquels s'appuie la personne ou le groupe. Ne juge pas un groupe ou une secte par des personnes qui la composent. Il se peut qu'il y ait parmi eux des gens vertueux. Mais dis, viens afin que nous regardions les fondements. Quelle est votre méthodologie dogmatique? Ceci est le fondement. Que dites-vous sur l'unicité d'Allah, par exemple? Sur quel principe s'éduquent les gens chez vous dans les méthodologies ou dans la voie dogmatique ou dans le dogme? On doit poser toutes ces questions. Surtout si tu appelles Allah. On veut savoir tu es qui? Est-ce que tu es quelqu'un sur la sunna? Taïb. Quels sont tes fondements? Quelle est ta croyance? Après avoir dit ceci, yaqul shaykh, ibda bihada, wanzur fi ittiba'ihim, wa inahum min al-kitab wa sunnati bifahmi as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan, wanzur fi usulihim, fa'in wafaqat tilka al-usul as-sunnata, fa'ala al-ayn wa ra's, li'annaha hina'idhin takunu al-firqata al-najiyata allati dalla 'alayha rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam, wa in khalafat usuluhum minhaj an-nubuwati, فاضرب بأصولهم عرض الحائط واغسل يديك منهم فهذا أصل كبير. Il dit, commence par ceci. Regarde leur suivi. Où en sont-ils par rapport au livre et à la sunna selon la compréhension des compagnons et ceux qui les ont suivis dans l'excellence? Regarde leur fondement. Si ces derniers sont en corrélation avec, et en concordance avec la sunna, alors ils sont acceptés. Car à ce moment-là, ce sera le groupe sauvé, montré et désigné par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces fondements contredisent la voie prophétique, alors jette-les contre le mur et lave-toi-en les mains. Et Cheikh Rastan dit, et ceci est un grand fondement dans la méthodologie des salafs. ثم يقول ويدلس ويلبس الشيطان على كثير من أهل السنة من المنتمين إلى منهاج النبوة يدلس الشيطان عليهم في هذا الأصل الكبير فلا يملكون جوابا ولا يستطيعون لأنه يقال لهم معنا مجموعة من الناس الطيبين ونحن نصنع كذا وكذا تريدون أن يحجب هذا الخير. Ça aussi, c'est un argument fréquent à notre époque. Écoutez bien. Satan cache, dissimule, trompe beaucoup de gens de la sunna parmi ceux qui s'apparentent à la voie prophétique. Satan jette, ou Shaitan jette le trouble sur eux concernant ce grand principe. Ils n'ont pas de réponse et ils ne peuvent répondre à ces ambiguïtés. Car on leur dit, à ces gens-là de la Sunna, on leur dit, il y a avec nous, avec notre groupe, des gens vertueux. Ou il y a avec nous un groupe de gens parmi les vertueux. Et en plus de ça, nous faisons ceci. Et nous faisons cela. Voudrais-tu priver les gens de ce bien? Du bien que l'on fait pour la communauté? Voilà ce qu'ils nous disent. Non. Comment on répond à ceci? Comment on répond à ceci, mes frères? حاشا لله أن يحجب الخير عن الأمة في أفرادها وفي مجموعها ولكن على أي منهاج وتحت أي راية. Cheikh Rastan dit, loin d'Allah le fait que le bien soit voilé sur la communauté, dans ses individualités et dans ses groupes. Mais c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui prodigue le bien. Non, la source de bien, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Hasha lillahi, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, loin de lui qu'il cache le bien. Non, ce n'est pas de, ça ne relève pas de sa sagesse divine. Mais sur quel principe et sur quelle voie et sur quel et sous quel étendard vous faites ceci. يقول الشيخ رسلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. الناس ينبغي عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق ودين الحق تجريد التوحيد وتحقيق المتابعة
ولا تتحقق المتابعة إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. Cheikh Hassan dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invita son peuple à Allah, le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, ordonna à l'unicité d'Allah, sans jamais accepter dans ceci, de trêve. Naam. Al-mudahana wa al-muwada'a, c'est une trêve. Est-ce que le prophète a accepté dans la prédication au tawhid une trêve, en disant, pendant 2 mois, j'arrête d'appeler, j'arrête de faire da'wa. Avez-vous entendu ça du prophète à cette fois-là? Jamais. Il n'y a pas de concession à faire dessus. Non, les frères. Donc, le prophète n'a jamais accepté de trêve dans ceci. Il est nécessaire que les gens adorent Allah le Très-Haut par la religion de vérité. Et la religion de vérité, c'est l'unicité parfaite et le suivi du la réalisation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réalisation du suivi ne peut se faire que par l'accroche ferme à ce sur quoi étaient les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au suivi de leurs traces et au délaissement des innovations religieuses. Donc la corrélation, mes frères, elle est déjà toute faite. Taïm. Lorsque tu vois, إِذَا وَجَدْتَ النَّاسَ يُرْمِدُونَ أَعْيُونَهُمْ ويغضون الطرف عن الشرك الذي يضرب بأتنابه حولهم إذا رأيت الناس في كل مكان كالفراش الطائر حول النار يقتحمها ولا يأخذ أحد بصده عنها وعن اقتحامها وإنما يقفون متفرجين على أمثالها هؤلاء لا يصنعون شيئا فقل هل هذا من دين الله تبارك وتعالى. نعم. ici Cheikh Raslan dit, si tu trouves des gens qui ferment les yeux sur toutes ces choses répréhensibles, non, ils ferment les yeux volontairement, sous prétexte que ça divise la communauté, de pouvoir réfuter sur eux. Non. Et ils sont comparables, ces gens. Ça, c'est l'image qu'avait donné le prophète à Sallallahu Alayhi wa Sallam. Il dit que les gens étaient comme des papillons qui volent dans tous les sens. Non. Et il y a un feu. Et le prophète essayait de mettre sa main entre ce feu-là et ces papillons afin qu'ils ne se brûlent pas. Mais la main du prophète ne peut contenir tous les papillons. Et certains passeront entre ses doigts ou autour. Ils ne pourront pas être sauvés. Non. Il dit, lorsque l'on ferme les yeux sur toutes ces réprobations, c'est comme si tu laisses ces gens comme ça se diriger vers le feu et tu ne fais rien. Est-ce que ceci fait partie de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Non. Le prophète s'est adonné à cette tâche-là de da'wah pendant 23 ans, sans interruption, mes frères. Car dans ce domaine-là, il n'y a pas d'interruption. Dans da'wah il Allah, il n'y a pas de vacances. Non, mes frères. Le prophète a appelé 23 ans sans interruption. Et il a subi toutes sortes de préjudices. Non. Et les mouchrikoun, les associateurs, lui ont dit, à un moment donné, ils lui ont dit, tu adores nos idoles une année et on adore Allah une année. Qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si vous me mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche pour que je délaisse la chose pour laquelle j'ai été envoyé, je ne la délaisserai pas. La religion d'Allah, elle n'est pas palpable, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut acheter avec de l'argent. C'est la religion d'Allah, mes frères. Donc le prophète n'a pas fait de concession sur ça, sur ces choses-là. Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque tu arrives à fermer les yeux sur des choses répréhensibles, concernant par exemple les égarements des chiites, tu fermes les yeux et tu dis c'est pas grave. Ça, c'est une défaillance quoi dans l'alliance avec Allah et ses alliés et le désaveu des ennemis d'Allah et de ses ennemis. Des ennemis de la religion et des ennemis d'Allah. Page 466. Al-aqidatu sahihatu. هي الأساس الذي اجتمع عليه السلف ولم يختلف فيه واتفقت كلمتهم حوله. La croyance authentique, mes frères. La croyance authentique est le fondement autour duquel se réunissent les salafs sans aucune divergence. Leurs propos sont unanimes autour de ce principe. كثير من الناس يتبعون أقواما يحيون في ديار الكفر يعيشون بين الكفار
كثير منهم يصنف المصنفات ويطيرها إلى ديار المسلمين لإحداث القتل والتخريب والتفجير وللمصادمة بين المسلمين وحكامهم، ويقع بسبب ذلك كثير من التضييق والتتبع لدعوة الإسلام العظيم في الداخل وفي الخارج، وكل ذلك لسبب لم يلتفت إليه كثير من الناس، وهو أن تعلم العقيدة لا يسير على طريقة مستقيمة ولا على السبيل القويمة، وتتعلم العقيدة من كتب أهل البدع، وتترك كتب العقيدة الصحيحة وهي كتب السلف، الكتب التي كتبها علماؤنا المتقدمون كالإمام أحمد وولده عبد الله والخلالي وأبي محمد البربهاري وابن أبي عاصم، وكذلك ما كتبه ابن بطة والآجهري واللالكائي. فالعلماء الذين كتبوا قواعد الاعتقاد من عقائد أهل السنة لهم عقيدة واحدة، ولكن كتبت بألفاظ مختلفة. Beaucoup de gens suivent des personnes qui vivent dans les terres de mécréance, vivent parmi les mécréants, et beaucoup d'entre eux rédigent des ouvrages et les propagent dans les terres d'islam. Ça, c'est connu à notre époque. Beaucoup d'innovateurs vivent en Europe, aux États-Unis, et ils écrivent et ils propagent leurs livres et les envoient dans les pays musulmans pour semer le trouble, la discorde et l'anarchie. Beaucoup de gens suivent des personnes qui vivent dans les terres de mécréance, vivent parmi les mécréants, et beaucoup d'entre eux rédigent des ouvrages et les propagent dans les terres d'islam afin de provoquer le meurtre, la destruction, les explosions, les confrontations entre les musulmans et leurs gouverneurs. Et à cause de ceci, beaucoup de problèmes surviennent. Et que la chasse à la prédication de l'islam glorieux est ouverte. Naam. À l'intérieur et à l'extérieur. Et tout ceci pour une cause dont beaucoup de gens ne prêtent pas attention. C'est que l'apprentissage du dogme ne se fait pas par une méthode correcte et une voie conforme. Le dogme est appris à travers les livres des gens de l'innovation, en délaissant les livres de la croyance authentique. Ce sont les livres des salafs, les livres qu'ont rédigés nos grands savants anciens comme l'imam Ahmed et son fils Abdullah, l'imam Al-Khalal, l'imam Abu Muhammad Al-Barbahari, l'imam Ibn Abi Asim, de même ce qu'a écrit Ibn Battah, Al-Ajuri, Al-Lalakai et tous ces savants. Tous les savants ayant rédigé, écrit sur les règles de la croyance sont tous sur une même croyance, même rédigés en des termes, mais rédigés en des termes différents. Tous sur une même croyance. لو نظرت في كتاب ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى لوجدت اعتقاد سفيان الثوري واعتقاد عبد الرحمن بن مهدي واعتقاد أحمد بن حنبل واعتقاد البخاري، وهي في فحواها كلمة واحدة، وكثير من الناس يخرج من كتب الاعتقاد أصولا عظيمة من اعتقاد الأئمة، وقع كثير من الخلط بين المسلمين وكثير من الضلال بسبب عدم معرفتها. Il dit, si tu regardes dans les livres, comme le livre des fondements de la croyance des gens de la Sunna, comme l'imam al-Lalaka, et qu'Allah lui fasse miséricorde, tu trouveras qu'il est sur la même croyance que Sofiane al-Thawri, que la croyance de Abdurrahman ibn al-Mahdi, la croyance de Ahmad ibn Hanbal, la croyance de l'imam al-Bukhari. Et dans son essence, tout ceci n'est qu'un seul et même propos. N'a aucune seule et même croyance. Beaucoup de gens extraient des livres des gens de la Sunna des fondements, occasionnant beaucoup de confusion parmi les musulmans et beaucoup d'égarements à cause de la non-connaissance de ces livres. Et lorsque tu regarderas dans les livres de croyance qu'ont rédigé nos savants, parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté, tu trouveras qu'ils traitent des sujets suivants. Quelle est la croyance du musulman ou la croyance authentique du musulman concernant les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ça, on le retrouve dans les livres de l'Ahtiqad, Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Quelle est la croyance authentique du musulman concernant les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la croyance authentique du musulman concernant le noble Coran, le noble Coran? Si l'étudiant en sciences n'étudie pas ses fondements, il fera des erreurs dans ses propos, dans ses choix, dans sa façon de voir les choses. Et s'il apprend la aqida
par autre que ces livres-là, alors il tombera dans la confusion flagrante. Naam. Même si cette personne-là, on le pointe du doigt comme étant quelqu'un de savant. Naam. Comme c'est le cas de Al-Qardawi. Al-Qardawi dit, les savants des Shia disent que le Coran n'est pas complet. Naam. Et que ce qu'on a entre nos mains, c'est le mushaf de Fatima. Mais il y a un autre mushaf qui se trouve auprès du Mahdi al-Muntavar, du Mahdi attendu chez eux. Et Cheikh Rassan rapporte sa parole dans l'Ammiya qu'il a employé, c'est-à-dire dans le dialecte égyptien. Il dit, innama, est-ce que ce Coran a un surplus ou quelque chose en plus ou non? Voici la chose sur laquelle les gens divergent. C'est de la mécréance, le fait de dire qu'il y a un autre mushaf. Là, mes frères, ça veut dire quoi? Le fait de dire qu'il y a un autre mushaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah n'a pas préservé le Coran. C'est du kufr, bien sûr. C'est ce que disent les chiites. Les chiites. Et Qardawi minimise la chose. Et regardez comment le reproche Cheikh Raslan. Est-ce que c'est une chose où on accepte la divergence? إن من عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم أن من قال إن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر مرتد كافر مرتد والشيخ يقول إنه خلاف يسير المستعان regardez comment dire Cheikh Raslan. Parmi la croyance des gens de la Sunna concernant le noble Coran, ils disent: certes, toute personne qui dira que le Coran, on a rajouté une lettre, on a retranché une lettre, est un mécréant qui a apostasé sa religion. Pourquoi? Car il vient contredire un verset coranique clair et évident où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Lahafidhun. C'est nous qui le préservons. Si des gens ont pu rajouter une lettre ou retrancher une lettre à l'insu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non, ça veut dire quoi? Soit Allah c'est un menteur. Subhanallah. Subhanallah. La laisse la yakzib tabaraka wa ta'ala. Ou alors c'est lui le kafir murtad. Non, huwa al-kadhib wa al-kadhdhab. Non. Donc c'est un kafir murtad, c'est la croyance des gens de la sunna. Alors que le cheikh dit, le cheikh il parle de Qardawi. C'est une divergence bénigne ou superficielle. C'est une petite divergence qu'il y a entre nous les chiites. Allah al-musta'an. Agrawafidu yasubbuna al-ashab wa yukaffirunahum wa al-shaykh yaqul innahu khilafun yasir. Agrawafid insulte les compagnons, même les excommunis de la religion. Et le cheikh dit, Qardawi dit, ceci est une petite divergence entre nous. وهم يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخناء ويقولون فيهن كل قبيح ويقول الشيخ إنه خلاف يسير. Ils accusent les femmes du prophète de dire des obscénités. El khana. Hein? Et il dit sur elles toutes choses mauvaises et répréhensibles. Et Shir dit, ceci est une petite divergence entre nous et eux. C'est pas une petite divergence, mes frères. Là, c'est une question de aqida. Qu'est-ce qui l'a emmené à dire tout ceci? Qardawi. Cheikh Rassan nous donne la réponse. Min aina ja'a hada l'inhirafu anil aqida. D'où est venue cette errance, cet égarement dans la aqida de Yusuf al-Qardawi? Comment est-il venu à dire de tels propos? La réponse. Huwa min adami tahrir i'tiqadi ahli sunnati. Naam. C'est qu'il n'est pas revenu dans l'étude de la croyance vers les livres des gens de la Sunna. Non, car dans les livres des gens de la Sunna, on étudie quoi? Le comportement à avoir envers les compagnons du prophète. Le comportement à avoir envers les femmes du prophète. Le comportement à avoir envers le Coran. Ça, on l'étudie où, mes frères? Dans les grands livres de la Sunna, rédigés par les gens de la Sunna. Non, mes frères, on n'étudie pas ça dans les livres des gens de la Bid'a. Yusuf al-Qardawi n'a pas appris la croyance des gens de la Sunna. D'ailleurs, c'est un Ash'ari. Il est sur la voie Ash'arite.
Donc, il est soumis à toutes sortes d'erreurs aussi flagrantes que celles-ci. فلو حرر الرجل اعتقاد أهل السنة بدءا وتربى عليه لا على منهاج الأشاعرة ومن سواهم لا علم أن الصحابة رضوان الله عليهم حرم طاهر لا يمس ولا يدنس وأن المسلم المتبع له اعتقاد في أصحاب رسول الله ينبغي أن يأتي به وكذلك ما كان مع آل البيت وما كان مع أمهات المؤمنين وكذلك ما يكون مع القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأصول. Donc il dit, s'il avait étudié les livres ou la croyance des gens de la Sunna au tout début de son cursus scolaire, on va dire, ou scientifique, et qu'il se serait éduqué sur ces livres-là, et non pas sur la voie des Asha'ira ou d'autres, il aurait su que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur honneur, il est sacré. Ils sont purs. On ne doit pas les toucher. Sahaba. On ne touche pas aux sahaba. Chez les gens de la sunna, c'est clair. Chez d'autres personnes, ce n'est pas clair, apparemment. Wala yudannas. On ne doit pas les rabaisser, les piétiner. Et que le musulman, qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a une croyance envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il a une croyance envers les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les femmes du prophète, envers le Coran noble et glorieux, et aussi parmi les autres fondements des gens de la sunna. Naam, les frères. Donc, qu'est-ce qui l'a emmené à cette perdition? C'est justement le fait qu'il n'a pas étudié les livres des gens de la sunna. Si lui, il s'est égaré, que dire alors des ignorants, comme vous et moi? Naam, qui ne connaissent pas grand-chose à notre religion. Naam, on lit tout et n'importe quoi. À plus forte raison, mes frères, on est sujet à l'égarement. Qu'Allah nous en préserve. Cheikh Rassal revient après sur Jama'at al-Tablir. La page d'après. Il dit, « Wa kazalika Jama'at al-Tablir, allati assasaha Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, wa rajulu diubandi. متبع لطرق الصوفية يأخذ البيعة البيعة على الطرق الصوفية الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية إلى غير ذلك من تلك الأمور المبتدعة. Il en est de même de Jama'at al-Tabligh qui a été fondée par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, التي أسسها محمد إلياس الكندهلاوي, qui a été fondée par Mohamed Ilyas al-Kandahlawi. Cet homme est un Deobandi. Naam, qui a étudié dans l'université de Deoband, qui n'est pas connue pour être une université des gens de la Sunna. Naam. Il est suiveur ou il suit les voies soufis en ayant pris l'allégeance. On en parlait hier. Quand on prend l'allégeance d'un shir chez les soufis, ça veut dire as-sam' wa ta'a. C'est l'écoute et l'obéissance dans tout ce qu'il te dit, même s'il te dit de faire du haram. Naam, les frères. Donc, l'obéissance, l'allégeance à ces voix soufis, la voix du Shtiya, Saharurdiya, Al-Qadiriya ou Al-Naqshbandiya. Il a fait l'allégeance à ces quatre voix soufis qui sont actuellement les voix qui sont prédominantes dans la péninsule indienne. Et parmi les autres choses innovatrices. Al-Rajulu kana fi mujtama'in wathani hundusi wal-hanadikatu kanu ya'taduna ala al-muslimin. وكثير من المسلمين ربما ترك دينه فأراد أن يعيد المسلمين إلى حاضرة الدين فأتى بهذا الذي أتى به. Cet homme-là, Mohamed Ilyas, a vécu dans une société wathaniya, idolâtre. Cet homme-là a vécu dans une société idolâtre, hindoue. Et les hindous, al-hanadika, les hindous, les hindouistes, commettaient toutes sortes d'injustices et d'oppressions envers les musulmans. Et les musulmans étaient dans une position de faiblesse. Naam. Et même certains d'entre eux délaissaient leur religion, apostasaient leur religion. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Mohamed Al-Kandahlawi, Mohamed Ilyas? Il a voulu que les musulmans reviennent vers leur religion. Et il est venu avec la chose par laquelle il est venu. C'est-à-dire cette voie-là. Tablir. Naam. L'intention était bonne. Mais la voie qu'il a empruntée n'est pas conforme à celle du prophète, à cette voie-là.
وهذه الجماعة ترجع أصلا إلى رجل يقال له ساعد النرسي، ساعد النرسي، وهو رجل تركي، ولذلك تجد المساجد الكبرى لهم يقال لها مسجد النور، لأن النرسي له كثير من الكتب تسمى برسائل النور، وهو صاحب فكر بدعي لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. Ce groupe, cette jama'a, jama'a de tablir, à la base, elle vient d'un homme qui s'appelle Saïd. C'est un homme, c'est un kurde. J'ai relu sa biographie. Hein. C'est un turc de nationalité, mais il est d'origine kurde. C'est un soufi, hein, avec des pensées bizarres. Et le Cheikh Rassan dit, c'est pour ceci que vous trouverez toutes les mosquées, les plus grandes mosquées tablir, elles s'appellent Masjid al-Nur, ou Masajid al-Nur. Hein, par rapport à cet homme-là qui s'appelle Al-Nursi. Hein. Et Nursi aussi avait beaucoup d'épîtres ou de livres qu'il appelait les épîtres de la lumière, Rasa'il al-Nur. C'est un homme qui a une idéologie innovatrice, innovée, et qui n'est pas sur la rectitude vis-à-vis de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À la suite de tout ceci, il est nécessaire de regarder quoi ? Les fondements, l'usul. الاعتقاد المعتقد la croyance le منهج non, mes frères, c'est très important, surtout à notre époque. Les dissensions, les divisions nous cernent de toutes parts. La Bouddha, اذا لا بد من النظر لا في النتائج والآثار وإنما لا بد من النظر في العقائد والأفكار. Ce que dit Cheikh Rassan, il est nécessaire de regarder non pas les conséquences et les effets des choses au final, mais regarder les croyances et les idéologies. Naam, les frères. Sur quelle base elles sont instituées. Et ceci est le début de la voie. Car tu sais, certes, si tu ne fais pas ceci, et que tu suis une personne comme ça, Cheikh Rassan nous donne une image. Il dit, si tu veux voyager vers Mecca, tu traces sur ta carte de l'endroit où tu es vers Mecca une ligne droite. Non, tu vas faire en sorte d'être dans la réalité sur cette ligne droite jusqu'à ce que tu arrives à Mecca al-Mukarrama. Non. Si au début du chemin, tu t'écartes sans le vouloir d'un petit peu de cette droite-là, non, toi tu vas avancer en pensant que tu es sur la voie droite, mais plus tu avances, et tu peux même courir et même aller très très vite, plus tu avances, plus tu vas t'écarter de cette voie droite. Naam. Il en est de même de l'innovation religieuse. Naam, mes frères. Au début, elle est toute petite. Naam. Puis elle devient comme un empan, une coudée. Elle devient même des distances très longues. Comme a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Naam. Mais au début, elle est minime. Personne ne l'aperçoit. Donc nous, barakallahu fikoum, on doit justement, avant d'emprunter un chemin ou de suivre quelqu'un, savoir quels sont ses fondements, quelle est son idéologie, à quoi il appelle. Non. Si on ne le sait pas, on s'abstient de le suivre. Alors qu'on fait quoi ? Non, mes frères, on préserve pour ceci, par ceci, notre religion. Pour finir, Inch'Allah. Dernière problématique que soulève Cheikh Rassan, avec Allah tabarak wa ta'ala dans son livre. C'est ce qu'a évoqué l'imam Shatibi. Fil artisam, kathiran min tilka al-firaq. يعني ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في الاعتصام كثيرا من تلك الفرق ثم قال في الباش 472 أمبا يقول إنما تصير فرقا بخلاف هذه الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق الشيعة. L'imam al-Shatibi dit dans son livre Al-I'tisam. Al-I'tisam, c'est un livre qui traite justement de l'innovation religieuse et des innovateurs. Il évoque justement dans son livre beaucoup de ces groupes déviants, et dit elles deviennent ces groupes-là. Ça, mes frères, c'est la méthodologie pour savoir où, à partir de quand on peut dire qu'un groupe il est égaré.
Quel est le critère pour savoir qu'un groupe il est égaré, il n'est pas sur la voie droite? Ou il n'est pas, c'est pas un groupe, ou c'est pas des salafis? Ou alors une personne. Comment je fais pour savoir si une personne est salafie ou non? Non, il doit bien avoir des critères de jugement. C'est ce qu'a énoncé ici l'imam Shatibi. Il dit, elles deviennent des groupes en contradiction avec le groupe sauvé, dans un sens global vis-à-vis de la religion. Ou à travers une règle parmi les règles fondatrices de la législation. Non pas dans une des particularités, car la particularité ou la ramification est étrange et singulière. Et aucune contradiction ne peut survenir d'elle causant par ceci la dissension en secte ou en groupe. Je m'explique. L'imam Shatibi dit ici, pour qu'une personne elle puisse être considérée comme sectaire ou en contradiction avec la voix du prophète, il faut qu'elle ait contredit un fondement de la religion. Un fondement ou une règle bien établie. Et pas une juz'iyya, c'est-à-dire une particularité qui fait partie intégrante d'une qaïda ou d'une règle générale. Pour preuve, c'est que la personne qui buvait du vin à l'époque du prophète, on l'appelait, il se faisait appeler El-Himar. Vous vous rappelez? À chaque fois qu'il buvait du vin, on le ramenait vers le prophète et on le fouettait. Jusqu'à ce qu'une personne dise, combien de fois il est venu devant le prophète celui-là? La'anatullah alayhi, il l'a maudit. Et le prophète, il a dit, ne le maudis pas, car il aime Allah et son messager. Non. Ce hadith-là, mes frères, il nous montre ou il met en valeur la parole de l'imam Shatibi. Car cet homme-là, il a une contradiction. Mais est-ce qu'il a eu une contradiction dans les fondements de la religion? Non, il a fait un péché. Dans ce péché-là, est-ce qu'il a dit le vin, il est autorisé, je peux le boire? Non. Il aurait dit ça, il aurait fait une contradiction flagrante à des fondements de la religion qui est tahlil al-haram. Non, les frères. Mais là, non, il a fait un péché. Donc son péché-là ne le fait pas sortir de la voie droite. Vous avez compris, les frères? Contrairement à Dhul Ruwaisara, Horkos ibn Zuhair, comme l'appellent certains. Non. Qui lui a dit quoi? A dit Ya Muhammad i'adil. Là, c'est une contradiction flagrante à un des fondements de la religion. Quel est-il? C'est le fait de dire que le prophète est injuste. L'envoyé d'Allah est injuste. Ça, c'est une contradiction sur un principe de base. De dire que le prophète est injuste, c'est comme si tu dis que Allah n'a pas choisi quelqu'un qui est intègre dans la religion. Que le prophète a été injuste. Qu'est-ce qui l'a empêché alors de ne pas être injuste dans d'autres endroits? On ne peut plus prendre la religion de lui, il n'est plus intègre, il n'est plus fiable. Donc là, c'est une contradiction flagrante à un fondement clair et net de la religion. Donc cette personne-là, elle est sortie de la voie droite. Non, alors que la première qui buvait le vin, puis qui reconnaît son erreur, elle reste sur la voie droite. C'est ce que dit l'imam Shatibi. Non. Il dit que pour pouvoir savoir si une secte elle sort de la voie droite ou non, il faut savoir est-ce que ces fondements sur lesquels elle s'appuie, ils sont en contradiction avec la voie droite ou alors ils ne sont pas en contradiction avec la voie droite. Mais s'ils font des choses contraires à la législation, mais dans des juz'iyat, c'est-à-dire dans des ramifications qui ne relèvent pas des règles générales, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont en contradiction avec ou qu'ils sont sortis de la voie droite. Yaqul, فَالْمُخَالَفَاتُ تَكُونُ فِي الْأُصُولِ لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع أنت وأنت موحد مع من يلحد في الأسماء والصفات مع من يقول القرآن مخلوق مع من يطعن في أصحاب الرسول مع من يسب أمهات المؤمنين مع من يسب أنبياء الله المرسلين مع من يهادن الرافدة ويواليهم مع من يحادد من يقرر توحيد الإلهية ويدعو إليه هذه مخالفات في الأصول ليست مخالفات في الجزئيات يعني ليست في حكم فرعي يتعلق بالأحكام العملية إنما هي من المخالفة في أصل كلي من أصول الشريعة. Les contradictions surviennent des fondements. Non. Il est fondamentalement impossible que tu puisses t'unir alors que toi tu es sur l'unicité d'Allah Tabarakata. Avec celui qui transgresse les limites dans les noms et les attributs divins. Avec celui qui dit le Coran est créé. Avec celui qui médit sur les compagnons de l'envoyé. Avec celui qui insulte les mères des croyants. Avec celui qui insulte les prophètes d'Allah et les messagers. Avec celui qui conclut un pacte de trêve avec les Rawafid, avec les Shia.
et s'allie avec eux, avec celui qui s'oppose à toute personne proclamant l'unicité dans l'adoration et appelant à elle. Tout ceci sont des contradictions au fondement. Là, mes frères, c'est ce qu'on fait les croyants musulmans. Donc, on peut statuer sur eux qui sont sur une voie qui est égarée. Ce ne sont pas des contradictions relatives à des particularités, à des choses secondaires de la religion. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des lois secondaires se rapportant aux actes pratiques, mais ce sont des contradictions dans des fondements majeurs, des fondements de la législation. À cause de ceci, ils sortent de la voie droite et ils sont dans une des 72 sectes que le prophète a cité dans le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, Ahmed et autres. C'est ce que dit ici Cheikh Raslan. Il dit Al-Khata'u Al-A'arid. L'erreur passagère ne fait pas sortir la personne du minhaj. L'erreur passagère. Comme cette personne qui buvait le vin. Voilà qu'une erreur relative au fondement de la religion ou qui est en contradiction au fondement de la religion, alors celle-ci fait sortir sa personne de la voie droite. Wa alayhi. فجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وقد ضربناهما مثلا تخالفان في الأصول وانحرافاتهما المنهجية كثيرة سارخة. Donc Cheikh Raslan dit, en conclusion, sur ceci, le groupe des frères musulmans et le groupe des tabligh, et nous avons donné en exemple ces deux groupes-là. Bien sûr, tous les autres groupes sont concernés par tout ce qui a été dit dans le livre. Sont en contradiction dans leurs fondements et leurs déviances méthodologiques sont très nombreuses et flagrantes. وَهُمَا لِذَلِكَ فِرْقَتَانِ مِنَ الْفِرَقِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُجَانِبَةِ لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ. C'est pour cette raison qu'ils constituent des groupes innovateurs à l'écart du groupe sauvé et du groupe secouru. نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَى الْحَقِّ وَأَنْ يُقِيمَنَا عَلَيْهِ وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكتبه أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تبارك وتعالى عفى الله عنه وعن والديه الحمد لله. وقل رب زدني علما.